Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle assemblée des idées. Alors je vous redonne très très rapidement le cadre de cet événement. Voilà, tout autour de vous, donc des lycéens, des personnalités qui se sont inscrites tout simplement à cet événement. Et en face de vous, vous reconnaissez, alors en face de vous, juste là, en face de nous plutôt, vous reconnaissez évidemment Yael Braun-Pivet, donc la présidente de l'Assemblée nationale. Et puis il y a à côté de moi donc des journalistes, des experts, des intervenants qui vont dans quelques instants s'exprimer, donner leur point de vue. Puis pendant près d'une heure, vous aurez l'entière liberté de leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Ce sera chronométré, comme tout ici à l'Assemblée. Non, je plaisante. Évidemment, c'est juste pour que, voilà, que donner la possibilité à toutes celles et ceux qui veulent prendre la parole de pouvoir le faire, prendre la parole autour d'un sujet particulier, un sujet qui nous questionne, qui nous secoue, la jeunesse. Alors, si j'ai bien compris, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, c'était urgent pour vous de traiter ce sujet. Il était urgent pour vous d'organiser aujourd'hui cet événement, cet échange, et de réfléchir ensemble à la jeunesse de France. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer pourquoi ? Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous. Je ne vais pas être longue parce que l'intérêt de ces assemblées des idées, c'est de vous donner la parole. Et il y a quelques jours de cela, je regardais les manifestations, j'entendais les commentaires des journalistes qui nous disaient que la jeunesse se mobilisait, que la jeunesse manifestait. Et puis j'ai trouvé qu'on parlait beaucoup, nous les hommes et les femmes politiques, à votre place. Et je suis arrivée en réunion de cabinet lundi matin, il y a quelques jours de cela, et je leur ai dit, il faut absolument qu'on organise une assemblée des idées autour de la jeunesse, avec les jeunes. Il faut qu'on leur donne la parole à l'Assemblée nationale. Et c'est maintenant, c'est pas dans un mois, c'est pas dans deux mois, c'est maintenant que je veux qu'on les entende. Et donc mon cabinet, Nima Eri qui est là-bas, Mejdi Djamel qui est ici, se sont défoncés pour pouvoir organiser en quelques jours cette Assemblée des idées, quatrième édition autour de la jeunesse. Ils ont trouvé des intervenants. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir répondu présent. Pareil, aussi rapidement, ça n'était pas simple. Je suis très heureuse de pouvoir assister. Je ne vais pas être plus longue parce que l'objectif, c'est vraiment que je vous écoute. Mais j'ai envie de vous dire qu'on vous écoute parce que je suis accompagnée du président du CESE, Thierry Baudet, qui a l'habitude de faire parler les corps intermédiaires, cette fameuse société civile. Et lorsque je lui ai parlé de cette assemblée des idées spéciales jeunes, il a tout de suite répondu présent à mon invitation pour pouvoir écouter la jeunesse de France. Et donc, sans plus attendre, vous avez la parole et puis après, la parole à la salle. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de vous entendre. Et merci à tous d'avoir répondu présent aussi, de façon aussi nombreuse. C'est impressionnant et je suis très heureuse parce que ça veut dire que, voilà, on touche du doigt quelque chose en organisant ces assemblées des idées ici à l'Assemblée nationale et en vous donnant la parole. Alors voilà. Voilà pour, les enjeux, de cet événement et pour enrichir la réflexion. Yael Braun-Pivet, vous avez convié cinq personnes, cinq regards sur la jeunesse. Manon Mella, journaliste à France Info, on vous retrouve du lundi au vendredi sur Twitch à 18h. Lorraine Lolo, qui est juste ici, vous êtes journaliste et cofondatrice de la Cité des Chances. Étienne Matignon, tout au bout, président de la FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes. Et juste à côté de moi, Mathéo Ishak Bouchaki, vous avez créé le compte La Politique de Maths sur TikTok. Et enfin, je termine avec Olivier Galland. Bonsoir, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous avez réalisé une enquête pour la Fondation Montaigne, un travail sur les 18-24 ans, dans lequel vous évoquez la jeunesse plurielle. Vous avez interrogé 8000 jeunes sur des thématiques comme la famille, l'école, le travail, la politique, et vous avez comparé leurs réponses à celles de leurs aînés. Pourquoi pluriel ? Il y aurait donc des jeunesses et non pas une jeunesse ? Ah ben bien sûr, on parle trop souvent de la jeunesse comme d'un groupe homogène. C'est pas le cas du tout. Il y a des jeunesses très, très différentes.
Et donc, effectivement, l'objet de cette enquête, c'était de montrer la diversité de la jeunesse grâce à un large échantillon. Mais en introduction, on viendra peut-être sur cette diversité de la jeunesse plus tard. En introduction, je voudrais parler peut-être d'un des résultats, évoqué très brièvement, un des résultats de cette enquête sur le rapport des jeunes à la politique et à l'engagement. Parce que c'est quelque chose qui nous a frappés et qui nous a un peu inquiétés, je dois dire. Alors, ça va être intéressant de voir ce que les jeunes eux-mêmes en pensent. Mais ce qu'on a vu, ce qu'on a analysé à travers cette enquête, c'est un vaste mouvement de désaffiliation politique de la jeunesse. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, très nombreux, tout simplement, ne se reconnaissent pas ou ne se reconnaissent plus dans le système politique. C'est ce que vous appelez les désengagés ? Voilà, c'est en partie les désengagés, mais c'est plus large que ça. Parce qu'on a, par exemple, 50, quand on pose une question classique, si vous voulez, de sociologie politique, on demande aux jeunes de quel parti ils se sentent le plus proches, eh bien 55% d'entre eux disent ne se sentir proches d'aucun parti ou ne pas savoir. Voyez ? Et même 43% d'entre eux ne parviennent pas à se situer sur l'échelle gauche-droite. Vous voyez, c'est une question aussi classique de sociologie politique, une échelle gauche-droite en 10 positions, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Eh bien, 43% des jeunes, tout simplement, ne disent ben, « nous, on ne peut pas se situer sur l'échelle gauche-droite ». Et encore peut-être plus inquiétant, 34% des jeunes qu'on a interrogés disent que voter ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc il y a cette désaffiliation politique, je trouve ça inquiétant, mais bon, les jeunes vont réagir, vont nous dire ce qu'ils en pensent. Et ce qui est paradoxal, si vous voulez, c'est que ça ne s'explique pas par le fait que les jeunes ne s'intéresseraient pas à la société. Ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'on voit aussi dans l'enquête qu'ils sont très concernés par tout un ensemble de sujets, de questions sociétales. Ils ne sont pas hostiles à la démocratie, mais ne s'y reconnaissent plus. Ils ne se reconnaissent plus, en tous les cas, dans les partis politiques et la façon dont le système politique fonctionne aujourd'hui. D'ailleurs, c'est frappant de voir que, par exemple, ils sont très sensibles, évidemment, ça ne vous surprendra pas, aux questions environnementales, aux questions d'écologie, mais il n'y en a que 12% dans notre enquête qui disent se sentir proche, par exemple, d'écologie, d'Europe Écologie Les Verts, qui était le parti censé représenter ce courant de pensée. D'ailleurs, on a vu à l'élection le score qu'a fait le candidat écologiste. Donc voilà, il y a une espèce de hiatus, si vous voulez, entre les attentes des jeunes qui existent, leur intérêt pour les questions sociétales qui existent, et l'offre politique qui ne semble plus correspondre à leurs attentes. Alors évidemment, c'est inquiétant et je pense que ça tient en partie au fait que les partis politiques et le système politique chez les jeunes, mais pas simplement chez les jeunes malheureusement, souffrent d'un grand discrédit. On a posé une question classique aussi que pose le CEVIPOF dans ses enquêtes. Est-ce que les dirigeants politiques sont plutôt honnêtes ou plutôt corrompus ? Eh bien, 68% des jeunes disent qu'ils sont plutôt corrompus. Vous vous rendez compte ? C'est quand même inquiétant. Bon, je pense que c'est personnellement que c'est tout à fait faux. Il peut y avoir des hommes politiques corrompus, mais je ne pense pas. Mais en tous les cas, une grande partie des jeunes pensent que voilà, le système politique est manipulé par probablement des puissances économiques, des puissances financières, etc. Donc, ça pose un grave problème démocratique, évidemment, parce que si on répudie le système de la démocratie représentative, par quoi va-t-on le remplacer ? Merci beaucoup pour ce premier exposé. Vous aussi, Manon Mella, vous avez rencontré des jeunes, beaucoup, partout en France, puisque vous avez parcouru tout le territoire en 2022 à la rencontre des jeunes, et vous les avez notamment interrogés sur leur rapport à la politique. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui ? Alors, par où commencer ? Déjà, merci Olivier. Oui, c'est Olivier, pardon. Merci Olivier d'avoir tout de suite commencé en disant « Attention, il n'y a pas des jeunes, il n'y a pas une jeunesse, il y en a plusieurs. » Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a énormément de jeunesse possible. Il y a des réalités très différentes. Et c'est vrai que en ce moment, on voit une certaine partie de la jeunesse qui manifeste, etc. Mais attention. Moi, c'est vraiment pour ça que sur cette année présidentielle, donc d'août 2021 à avril 2022,
j'ai pas fait des reportages sur les jeunes à Paris ou en Île-de-France. J'ai vraiment essayé. Bon, j'ai rencontré moins de jeunes qu'Olivier, j'en ai rencontré environ 200. Mais je suis allée chez ArcelorMittal pour aller rencontrer des jeunes qui travaillent, des jeunes qui sont au chômage, des jeunes qui étudient, des jeunes devant Pôle emploi. Et en fait, ça a été aussi la difficulté, c'est déjà comment on accède aux jeunes. Comment on fait pour aller recueillir cette parole? Par quel biais on passe? Est-ce qu'on va aller chercher sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va aller chercher dans les facs? Et donc ça, c'est un petit peu le... Je voulais vraiment commencer par ça. Et en gros, je devais choisir un axe, ça serait peut-être celui, après on pourra parler de plein d'autres aspects, mais peut-être celui de l'abstention. Donc moi, je me suis vraiment intéressée aux jeunes et à la politique. L'abstention, donc, au premier tour de l'élection présidentielle, là, en 2022, c'était 42% chez les 18-24. Au second tour, c'était 40% à peu près la même chose. Et on se dit, à quoi vaut une élection si quasiment la moitié des jeunes, finalement, n'y ont pas participé, ne se sont pas exprimés? Pourquoi est-ce que les jeunes votent de moins en moins? Il y en a encore qui votent, mais ils votent quand même de moins en moins. Olivier l'a évoqué, tu as évoqué certaines raisons. Il y a d'une part, moi ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est je ne me reconnais pas dans les programmes, je ne me reconnais pas dans les discours. Moi, ma priorité, c'est le climat, c'est la justice sociale. Et ce n'est pas ce que je vois dans les débats, en tout cas pendant la campagne présidentielle. Ça a peut-être évolué depuis, mais rien, en tout cas... Rien ne me ressemble, rien ne m'attire dans aucun programme. Rien ne me ressemble, voilà. Crise de la représentativité, quand je vois les hommes et les femmes politiques, que ce soit les présidents, les ministres, les députés, les maires, je ne me reconnais pas dans leur personne, en termes de catégorie sociale, de, je sais pas, de façon de s'exprimer, de communiquer. Donc il y a cette crise-là, quand on ne se reconnaît pas. Il y a eu aussi ce côté-là, bah, franchement... personne ne me fait rêver, parce que bah, la politique, c'est ça, surtout en période, en pleine campagne présidentielle. Quand j'entends les discours, bah, voilà, en fait, on me vend rien comme rêve, et donc je préfère concentrer mon énergie ailleurs. Et c'est vrai que ce que j'ai pu constater, c'est que effectivement, désengagement politique ne veut pas dire désintérêt, de la chose publique, politique en général. Et donc, il y a des engagements qui passent par diverses formes. Ouais. Voilà. Donc, il y a, l'engagement, il peut être déjà tout simplement juste prendre la parole sur les réseaux sociaux. Déjà, partager un certain type de contenu, ça peut être vécu comme une forme d'engagement. Il y a voilà, toutes les marches pour le climat, l'engagement associatif, le choix du métier aussi qu'on décide de faire. Je vais choisir un métier qui a du sens et qui va pouvoir combler un petit peu toutes les préoccupations que je vais avoir sur la société. Et puis après, et ça, je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier, au contraire, pour moi, c'est vraiment le plus important. Moi, j'ai rencontré des jeunes, donc j'emploie toujours ce mot des jeunes, et ça me gêne un petit peu, mais voilà, qui n'avaient même pas de carte d'électeur, qui n'ont... Mais des jeunes de 25 ans qui n'ont jamais voté aucune élection, qui me disent, mais moi, en fait, je voterai jamais, parce que moi... La question qu'on se pose, c'est est-ce que cet éloignement par rapport au vote, est-ce qu'il va passer avec l'âge? Et en tout cas, quand je posais la question, ils me disaient non, mais moi je pense que je vais jamais voter, franchement, voilà, tous pourris, on n'arrive pas à voir les promesses qui sont vendues pendant les campagnes présidentielles. Alors tout ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est de la faute que des politiques. Il y a tout un tas de facteurs. Il y a aussi l'information. Je pense que dans les médias, on a beaucoup... Je pense qu'on a abandonné les jeunes, je pense. Maintenant, on essaye tous de rattraper les wagons en mode, allez, il faut faire du contenu pour les jeunes et tout. Et moi, en tant que jeune journaliste, je suis là, mais oui, mais en fait... Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Maintenant, ils sont allés sur YouTube, ils sont allés là. Et donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu médiatique. Et voilà, peut-être que je suis déjà trop longue, mais... On est dans les temps. On est très bien. C'est parfait. Et ce qui est aussi revenu beaucoup, c'est il y a une vraie demande d'éducation politique. Notamment chez les primo-votants, vraiment les 18 ans, ils me disaient, mais en fait, moi, dans ma famille, il n'y a pas forcément d'héritage politique, de culture politique, de culture du vote.
Et en fait, j'attends de l'école qu'on me dise, ben voilà, le Parti Socialiste c'est ça, En Marche c'est ça, les Républicains, l'Assemblée Nationale fonctionne comme ça, les lignes, en tout cas les courants de pensée à droite à gauche, c'est plutôt ceci, cela, sans que ça soit partisan évidemment, mais un minimum de culture politique, civique, d'éducation civique. Alors ça me fait un lien parfait, merci beaucoup Manon, avec justement, je la vois sourire, mais parce qu'elle a compris le lien évidemment, c'est à vous. Donc Lorraine Lolo, vous êtes cofondatrice de la Cité des Chances, une association qui existe depuis 2018 et qui a pour but justement de rapprocher, c'est pour ça le lien était parfait, les jeunes des quartiers populaires de la politique. Et pour ce faire, vous vous rendez dans des lycées pour faire participer les élèves à tout un tas d'ateliers, les faire visiter aussi nos institutions, hein, vous les emmenez ici à l'Assemblée nationale, vous organisez des rencontres avec des élus. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces lycéens, qu'est-ce qu'ils ressentent? Alors, juste un petit point de clarification. Là, j'interviens vraiment en mon nom, parce que je veux aussi donner mon avis personnel sur la question de qu'est-ce que veulent les jeunes, et même un peu qu'est-ce que moi je veux aussi. Ça serait déjà pas mal. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent? En fait, déjà, il y a un réel problème par rapport au temps. Autant disponible qu'on a pour penser en fait à la politique. Nous, ce qu'on constate, parce qu'on fait aussi des ateliers de sensibilisation aux abords des élections, etc., pour encourager les jeunes à voter, c'est qu'ils nous disent en fait, moi, enfin, je suis étudiant, j'ai un job à côté, etc., etc., aller tracter, aller militer, etc. J'ai pas le temps. En fait, faut déjà que je pense à me nourrir. Donc, en fait, pour moi, déjà, à partir du moment où on n'aura pas résolu ce problème de besoins essentiels où tout le monde peut vivre et manger à sa faim notamment, et ben en fait on aura toujours une jeunesse qui est aussi désengagée qu'elle peut paraître aujourd'hui. Et du coup pour moi en fait, enfin, pouvoir manger à sa faim, etc., bah déjà ça passe aussi par une meilleure orientation, parce qu'ils nous parlent énormément de ça. Quand on a fait la tournée des quartiers populaires, on nous a parlé, tout le monde nous a parlé de Parcoursup, de leurs études, de qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, de ils sont perdus, de et toi qu'est-ce que tu fais, tu t'es orienté, etc. Ça génère une angoisse. Ça génère une réelle angoisse et une réelle peur en fait pour l'avenir de comment je vais faire. Et du coup nous c'est pour ça qu'on milite notamment pour faire en sorte que on soit en fait un peu des grands frères et grandes sœurs dans ces lycées-là, parce que nous, dans notre association et plein de jeunes qui sont engagés autour de moi, on a à peu près entre 22 et 25 ans. Moi, j'ai 25 ans, par exemple. Et moi, j'ai eu l'occasion de me tromper, de me réorienter, de changer. Même là, j'ai 25 ans. Je pense que peut-être dans un an, je change de métier. Je serai plus journaliste, je ne sais pas. Donc, ça permet en fait de pouvoir partager notre expérience et pouvoir un peu les aiguiller. On reçoit plein de messages sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil, etc. Et je trouve que c'est un truc en fait qu'on devrait généraliser. Et pareil, pour revenir sur l'éducation en fait à la politique au sein de l'école, ça c'est quelque chose qui est essentiel pour moi, parce qu'effectivement on n'a pas tous la chance d'avoir une famille qui nous permet en fait de s'intéresser à la politique. On n'a pas forcément des parents qui votent. Moi ma mère elle est arrivée en France à 30 ans, encore aujourd'hui c'est moi qui lui dis maman demain il y a élection, des fois elle est là ah ok je savais pas, encore pour les élections présidentielles ça va, mais pour les régionales, départementales, municipales, etc., parfois c'est beaucoup plus compliqué et moins clair pour beaucoup de gens. Donc en fait pour moi en fait il devrait avoir des ateliers réellement pratiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des cours d'éducation civique, morale, etc., qui, pour beaucoup, on ne va pas se mentir, sautent au profit des cours d'histoire. Et en fait, ces cours-là, ils sont théoriques. Et le problème, c'est que des cours théoriques, c'est que pour des personnes qui ne sont pas scolaires aujourd'hui, ça ne va pas déclencher un engagement chez elles. Elles ont besoin de concret, elles ont besoin de pouvoir se projeter dans la fonction plus tard, de prendre confiance en leur capacité à porter un discours, à faire entendre leur vision du monde, etc. Et de se rendre compte qu'en fait, qu'elles peuvent être actrices et acteurs de la vie politique, et pas juste délégué à des personnes. C'est pour ça que nous, on dit souvent, si tu ne te sens pas représenté, présente-toi. Parce qu'en fait, on oublie beaucoup qu'on a ce droit-là. On a ce droit de se présenter, on a ce droit de faire entendre nos voix. Et effectivement, il y a des inégalités. Je ne vais pas vous faire tout le blabla sur le financement des campagnes, etc. etc. Il y a beaucoup de freins à ça. Mais déjà, le fait de se dire « c'est possible », c'est déjà, une avancée, en fait. Donc, alors... J'ai tellement de choses à dire, mais je vais essayer de ne pas être trop long. Voilà, il vous reste 2 minutes. Deux minutes, ok.
Donc j'ai parlé de l'école. Également, quelque chose qu'on nous dit, c'est que, bah, ok, maintenant, parfois, bah, on leur a appris, du coup, comment fonctionne le système, quelles sont les fonctions, etc. Elles comprennent. Maintenant, le truc, c'est que tout le monde n'aspire pas à devenir représentant politique, ce que je peux comprendre. D'autres ont envie, de toute façon, on ne peut pas, je pense, être tous députés, c'est un nombre de places limité, et pour moi, on a besoin de tous les métiers de toute façon. Et en fait, pour ça, il faudrait que déjà, on passe par, en fait, qu'on décentralise le pouvoir. C'est-à-dire que, pas juste on va voter tous les 5 ans, tous les 6 ans, etc., mais qu'en fait, on est encore la parole. Il y a des moyens dans notre constitution des référendums, etc., pour pouvoir, ou même comme la Convention citoyenne pour le climat, exactement, pour pouvoir interroger en fait constamment les jeunes, mais pas que, sur qu'est-ce qu'ils veulent demain. Parce que justement, on se sent dépossédé d'un pouvoir, en fait, de notre pouvoir de citoyen, et ça donne en fait exactement ce qui est aujourd'hui dans la rue. Ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, donc moi c'était surtout ça que je voulais dire. On vous a entendu, et vous aurez l'occasion de répondre à plein de questions, j'en suis certaine. Mais justement, pareil, vous me faites un lien parfait avec vous, Étienne Matignon. Je le rappelle, donc vous êtes le président de la FAGE, la Fédération des Associations Générales étudiantes, et sur votre compte Twitter, vous appelez à poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites et à battre le pavé une nouvelle fois le 6 avril prochain. Et oui, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un lien. Les jeunes, et plus particulièrement les étudiants, est-ce qu'ils doivent être dans la rue, selon vous ? Alors oui, mais... Alors juste avant de répondre à votre question, j'espère que vous m'excuserez toutes et tous, parce que mon corps m'a trahi ce matin et je me suis réveillé avec une voix... absente. Donc je vais faire de mon mieux. Mais donc oui, les jeunes doivent être dans la rue, peuvent être dans la rue. En fait, c'est surtout ça, nous, le message qu'on porte. Et en fait, en réalité, les jeunes, au-delà d'être dans la rue, ils peuvent faire plein de choses. Et ça rejoint globalement ce qui a été dit avant. Nous, on a, et typiquement, c'est le cas de la question de la mobilisation, quand on parle, bon là, c'est les retraites, mais sur plein d'autres sujets, de comment est-ce qu'on peut faire entendre sa voix. Il y a plein de manières, en fait, en réalité, de le faire. Et à la FAGE, plus globalement, nous, c'est ce qu'on porte. Concernant ce que veulent les jeunes, et je vais évidemment pas répondre à la question, peut-être que c'est un peu provocateur, mais nous, l'analyse qu'on en a, c'est que aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils souhaitent, c'est d'être considérés comme des citoyens, en fait, pour une partie d'entre elles et eux, en tout cas. Ça a été dit, il n'y a pas une jeunesse homogène. Mais en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'affronts souvent qui sont faits aux jeunes sur justement la question de la citoyenneté, et un certain nombre de doubles discours. C'est-à-dire qu'on nous appelle à aller voter, mais en même temps, quand on essaie de s'exprimer sur un sujet, on n'est pas légitime, on n'a pas le droit de prendre la parole. Ah oui, bah, pour reprendre les retraites, vous n'êtes pas un peu jeune pour penser déjà à votre retraite, alors que en fait, quand on est jeune, on peut aussi avoir une vision de la société, apporter juste l'exprimer. Y réfléchir, tout simplement. Y réfléchir, exactement. Moi, c'est ce que je dis à tous les médias. On a deux bras, deux jambes, un cerveau, la plupart d'entre nous. Donc, a priori, on peut, comme des personnes qui ne sont pas jeunes et qui sont plus proches de la retraite, exprimer un avis. Concernant ce sujet-là, et en fait, plus globalement, sur les politiques publiques, pour nous, il y a un réel enjeu. Ça a été dit par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, où souvent, on parle à la place des jeunes. Et en fait, c'est aussi le cas dans l'élaboration des politiques publiques. Alors, il y a le sujet de la conventions citoyennes qui a été évoqué. Et en fait, il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés et qui peuvent être pensés pour faire participer les jeunes à l'élaboration des politiques publiques. Et au-delà de leur participation à l'élaboration, nous, il y a quelque chose qu'on avait porté, qu'on avait gagné, et qui malheureusement aujourd'hui est assez peu appliqué, c'est la clause d'impact jeunesse. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais techniquement, il est possible pour toutes les lois qui sont votées de déclencher cette clause-là, et donc d'avoir en fait faire en sorte qu'il y ait une réflexion sur quel va être l'impact sur la jeunesse. Et c'est quelque chose dont nous, on s'était plutôt félicité, parce que comme ça a été dit, il y a plusieurs jeunesses, et donc quand on parle de politique de jeunesse, politique publique pour les jeunes, en fait, il faut aussi penser l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en œuvre dans le prisme des jeunes. Et par exemple, une politique publique qui va concerner l'agriculture, certainement que pour le sujet des jeunes agriculteurs, ou en tout cas des personnes qui aspirent à le devenir, il y a un sujet plus profond à creuser et à réfléchir. Et donc pour nous, il y a quand même un sujet
de fond sur comment est-ce que, d'une certaine manière, la voix des jeunes va être entendue, va être considérée, évidemment dans le débat public, dans les médias, au jour le jour, par leurs proches, etc., mais aussi au plus proche de ce qui va faire, d'une certaine manière, la société qu'on aura demain, c'est-à-dire les lois et comment est-ce que la société agit. Ok, on vous a entendu. Et on termine ce tour de table avec vous, Mathéo, ou devrais-je plutôt dire la politique de Matt, puisque vous avez presque 63 000 abonnés sur TikTok qui suivent vos vidéos, dont certaines atteignent, j'ai vu, 840 000 vues. Assez fort. Alors sur chacun de vos contenus, des centaines, parfois des milliers de commentaires, est-ce que vous pouvez nous dire, nous résumer un peu ce que vous disent, ce que vous transmettent les jeunes qui commentent vos vidéos ? Bonjour à tous. Les jeunes qui me suivent, ils m'envoient beaucoup de messages. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne votaient pas avant et qui m'envoyaient un message en me disant qu'ils avaient vu mes vidéos, mais même celles de différentes personnes. Et du coup, ils étaient allés voter. Mais Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, voilà bientôt 6 ans que vous êtes élue députée du parti d'Emmanuel Macron et vous nous demandez que veulent les jeunes. Cela fait pourtant plusieurs années que les jeunes se mobilisent pour se faire entendre. Des milliers de jeunes ont déferlé dans les rues pour l'écologie avec comme simple volonté de l'action climatique. Depuis, qu'avez-vous fait, vous, le gouvernement ? Rien. Emmanuel Macron, multirécidiviste dans son inaction climatique, dénoncé par la justice française et l'Union européenne, nous a promis une chose lors de sa réélection. Son quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Rien qu'à en voir les débuts, il ne le sera pas. Nous nous attendions à rien, mais nous sommes tout de même déçus. Déçus de voir que vous choisissez d'ignorer la crise climatique sans précédent qui frappera notre avenir. Ensuite, que voulons-nous ? Vivre et ne pas survivre face à une inflation qui ne cesse d'augmenter, survivre est devenu le quotidien de 56% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Pour le prix de 2 bouteilles d'huile de tournesol, par exemple, en 2022, nous n'en avons plus qu'une en 2023. Depuis 1 an, les prix alimentaires explosent. La précarité étudiante, c'est très concret. Aujourd'hui, j'étais au téléphone avec Lola, une étudiante non boursière en droit à Bordeaux. Elle a 19 ans et elle paye seule son loyer et sa nourriture. Elle galère. Elle galère en combinant 3 travaux. Elle garde des enfants en début de semaine. Elle est à la billetterie des Girondins de Bordeaux le samedi. Et elle travaille au Carrefour le dimanche. 20 heures de travail par semaine, tout en devant poursuivre ses études de droit. Elle fatigue énormément, sa vie sociale en est impactée, mais surtout, ses études en sont impactées. Parfois, pour préserver sa santé mentale, tout en culpabilisant face à la pression monumentale, pour préserver sa mentale, elle choisit de dormir au lieu d'aller en cours. Elle culpabilise face à la pression monumentale de la sélection en master que vous avez intensifiée, le gouvernement et l'ensemble des députés. Face à ça. Voilà, c'est un discours qui trouve un certain écho en tout cas. On te laisse continuer. Face à ça, qu'avez-vous fait ? Comme d'habitude, lorsque nous demandons un gâteau, vous ne nous laissez que des miettes. Le repas Crous à 1 euro pour les boursiers, excellente initiative de votre part. Mais quand nous vous demandons qu'il soit élargi à l'ensemble des étudiants parce que certains non-boursiers n'ont pas les moyens de faire face à l'inflation, vous votez contre, parce que les moins démunis auraient accès. Mais nous vous comprenons, le fils de Bernard Arnault pourrait se retrouver dans le froid des files d'attente interminables du Crous. Ce serait dommage qu'il attrape un rhume. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, la jeunesse s'exprime, il suffit de l'écouter. Vous me donnez aujourd'hui la parole et je vous en remercie. Mais je crois que cela ne changera pas grand-chose. Le président ici absent n'entend rien dans son palais. Depuis janvier, le peuple se mobilise pacifiquement, par millions, dans les rues du pays pour dire non à votre réforme des retraites, injuste et brutale. Depuis plusieurs semaines, la jeunesse participe massivement aux mobilisations et demande également le retrait immédiat de cette réforme, mais vous n'écoutez pas. Nous sommes, d'après certains membres de votre parti, pas concernés par le sujet, mais nous sommes inquiets, madame. Inquiets pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs, mais aussi solidaires avec les travailleurs, parce que nous voyons les ouvriers, les infirmières, les femmes de ménage galérer au travail, mais aussi ceux qui font des métiers que vous ne jugez pas forcément pénibles. J'ai reçu ce matin un message de ma sœur, Nina, ce matin. C'est une maman de 32 ans, elle est professeure des écoles en maternelle REP+, en Gironde. Elle me raconte son quotidien. Nina est exposée à un bruit permanent, à des agitations perpétuelles, et doit avoir une vigilance accrue à chaque minute. Ses conditions de travail, elle les juge déplorables. Les classes sont surchargées, 25 élèves de 3 ans. Il y a un manque d'AESH dont les conditions de travail sont tout simplement honteuses, 670 euros par mois,
maximum, plusieurs lieux de travail et très peu de formation. Les RASED, donc c'est les psychologues qui interviennent au sein des écoles, sont soit supprimés, soit drastiquement réduits. Tout repose sur elle, et le soir, épuisée, il lui reste encore les charges d'une mère de famille seule. Nina se sent épuisée, et c'est tout bonnement impossible pour elle d'envisager de continuer son métier qu'elle a choisi jusqu'à ses 64 ans. Madame la Présidente, je m'adresse à vous comme je m'adresse au gouvernement, à l'ensemble des députés favorables à cette réforme et au Président de la République. Nous vous demandons une réponse politique, mais vous nous donnez une réponse policière. La semaine dernière, dans son palais, le Président de la République, qui se conduit comme un monarque, a continué avec le mépris et l'arrogance. Les Français seraient trop stupides pour comprendre cette réforme. Les Français, nous sommes en colère, Madame la Présidente. Pour vous, nous sommes une foule, des factieux, des factions, des fainéants. Certains ne sont rien et d'autres n'ont qu'à traverser la rue. Vous nous déshumanisez et pourtant nous sommes la France, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Nous nous battons pour garder nos acquis sociaux. Hier, j'étais dans la rue entre République et Nation avec Marie, 18 ans, et étudiante en droit à Paris. Nous étions au milieu des centaines de milliers de manifestants, il y avait de tout, des jeunes, des moins jeunes, des vieux. Nous avons vu les charges violentes des CRS, nous avons subi les gaz lacrymogènes, mais nous avons également vu une pluie de projectiles sur les CRS et les Black Blocs mettre le feu aux poubelles. En effet, Madame la Présidente, c'est de la violence, mais je ne la condamnerai pas. Voilà 3 mois que nous manifestons totalement pacifiquement, sans aucune violence. Voilà 3 mois que nous faisons face à l'arrogance sourde de la Macronie. Et depuis le passage en force du gouvernement à l'Assemblée nationale, vous utilisez une nouvelle méthode, l'autoritarisme. Amnesty International parle de répression policière et le Conseil de l'Europe parle d'un usage excessif de la force. La Macronie matraque les travailleurs, les travailleuses, les étudiants et les étudiantes. Un homme a perdu un œil, une femme a perdu son doigt, un manifestant de Sainte-Soline est actuellement dans le coma et un autre en mort cérébrale. Madame la Présidente, comment appelle-t-on un pays où le gouvernement utilise des armes de guerre contre sa propre population ? Fait passer des lois contre la vie de son peuple et de son parlement, procède à des arrestations préventives, matraque ses manifestants et empêche les secours d'intervenir lorsqu'il y a des blessés. Pour conclure, Madame la Présidente, la jeunesse se mobilise. Le 49-3 était le crachat de trop à notre figure. Nous sommes les garants de la démocratie et la démocratie n'est pas respectée. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est une étude du groupe britannique The Economist qui classe la France comme une démocratie défaillante. Alors je vous le dis, Madame la Présidente, nous souhaitons davantage de démocratie directe, une vraie séparation des pouvoirs, des médias qui ne sont pas dans la main de quelques riches, un pouvoir qui ne ressemble pas à une monarchie présidentielle. Je souhaite, comme de nombreux jeunes engagés, la fin de la Ve République et le début de la VIe République. Voilà, une parole de jeune. Merci. Merci, Mathéo. Voilà, une parole de jeune qui reçoit un certain écho. Et donc c'est à vous, maintenant la parole est totalement libre, comme vous venez de l'entendre. C'est vous tous, ce soir, qui construisez cet événement. Donc il vous suffit de lever la main, et j'en vois beaucoup, des mains levées, peut-être derrière vous. Voilà, et vous pouvez poser toutes les questions. Je précise simplement que vous avez 1 minute 30 pour poser votre question, pour permettre encore une fois à tout le monde de pouvoir parler. Et la réponse des intervenants, précisez-nous à qui vous s'adresse votre question, elle durera 3 minutes 30. Ok ? C'est ok pour tout le monde ? On vous écoute. Alors, j'aimerais poser une question notamment à Mathéo, puisque vous prétendez représenter la jeunesse. Et d'un côté, vous dites qu'il n'y a pas une jeunesse homogène, c'est vrai. Mais moi, je pense que vous avez une certaine responsabilité, en fait, dans le désintéressement des jeunes envers la politique, parce que vous encouragez une sorte de manichéisme qui dit que la gauche, c'est les jeunes, que les jeunes, c'est la gauche, que des jeunes qui ne seraient pas d'accord avec vous, en fait, bah, ils se trompent. Mais en fait, vous encouragez la division des opinions politiques et la division de la société. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que vous prétendez représenter un groupe alors que vous représentez en fait une opinion politique qui n'est pas partagée par toute la jeunesse. Et non, allez-y. Non, mais sauf si vous voulez poursuivre, vous avez encore 30 secondes. Non, mais j'aimerais juste savoir si vous avez conscience que vous participez potentiellement à la division jeune-vieux, la division gauche-droite envers les jeunes. Parce que pour moi, c'est un vrai sujet. On l'a compris. Quelle est votre réponse, Mathéo ? On vous écoute, Mathéo. Je ne parle pas forcément au nom de la jeunesse. J'ai dit certaines choses parce qu'il y a de nombreux jeunes qui se sont mobilisés
contre la réforme des retraites. Et je tiens à rappeler que 93% des actifs sont contre cette réforme, 7 Français sur 10. Donc je pense qu'il y a un ensemble de Français, en effet, qui sont contre ça. Et je pense que ce qui participe au désintéressement de la politique des jeunes, c'est par exemple un nombre de ministres incalculables et de députés aussi qui sont mis en examen, qui sont accusés de différentes choses, comme Éric Dupond-Moretti, qui est le premier ministre de la justice qui a envoyé devant la justice. On peut également parler de Gérald Darmanin. Les messages qu'il a envoyés, il ne les a jamais contestés. Alors on essaie de s'écouter, s'il vous plaît. Mais juste, moi je trouve ça, c'est ça qui dégoûte les jeunes. Et on l'a entendu, les jeunes trouvent que les politiques sont corrompues, etc. Je ne dis pas que, par exemple, je dis pas que Madame la Présidente est corrompue, je ne dis pas que vous êtes corrompue. Mais en tout cas, il y a de nombreuses choses qu'on remarque et qui... Ce n'est pas une généralité, c'est juste que quand il y a un nombre incalculable de ministres mis en examen, particulièrement sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, et qu'ils sont toujours au gouvernement... On va justement compléter ton propos avec celui d'Olivier Galland. Non, je voulais juste réagir sur un point que tu as dit, parce que c'est une question de fait, et il est important quand même de se mettre d'accord sur les faits avant de débattre sur les opinions. Il me semble avoir entendu que tu as dit que 55% des étudiants ne mangeaient pas à leur faim. Tu as dit ça ? Oui, en effet. C'est totalement absurde de dire ça. C'est une question qui a été posée aux étudiants. C'est totalement faux. Donc, je veux dire, on ne peut pas... Mais oui, on ne peut pas... Pourquoi alors ? On ne peut pas dans le débat... On peut avoir des opinions différentes. Ça, c'est tout à fait respectable. Mais il faut respecter les faits. Il se trouve que je connais assez bien la situation des étudiants parce que je participe à l'exploitation de l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, qui est une enquête qui est faite pour 60 000 étudiants. Oui. Alors certes, il y a des étudiants pauvres, bien sûr, mais il n'y a pas 55% d'étudiants pauvres. Mais combien d'après vous, Olivier Galland ? D'après moi, il y a 8% des étudiants qui sont à l'université qui sont en situation de pauvreté. Mmh. Véritablement, c'est beaucoup, c'est trop. Et encore au-dessus, en situation de précarité, voilà. Peut-être ? Et les étudiants sont plutôt en situation plus favorable que les jeunes qui ne font pas d'études universitaires. Oui. Eux, ils sont souvent en situation plus difficile. Bien sûr. Le revenu moyen d'un étudiant qui ne vit pas chez ses parents est de 1100 euros. Donc, voilà. Parce que les étudiants sont aussi très aidés par leurs parents. On vous a entendu sur cette précision. Manon Mella, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voulais juste apporter un point, mais c'est vraiment très, très rapide. Vraiment, peu importe... J'ai envie de dire les opinions politiques de Mathéo, je pense que c'est quand même déjà courageux. Ah oui, très. Peu importe d'avoir fait ce qu'il a fait. Et ensuite, tout ça, mine de rien, des influenceurs politiques de gauche, de droite, d'extrême droite, il y en a. Aujourd'hui, c'est une réalité. Pour moi, la question, c'est nous, les médias, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas contre toi et en vrai... Tu utilises un moyen d'expression qui existe et c'est très bien. Mais nous, il faut qu'on soit hyper vigilants derrière parce qu'en fait, il y a des chiffres qui sont avancés, qui ne sont pas sourcés. Et après, tout ça, ça sème la confusion. Et, oui. Et ça n'aide pas, en fait. Ça n'aide pas. Voilà. Est-ce que tu as cette source ? C'est un chiffre de l'UNEF, du syndicat étudiant. D'accord. L'UNEF, tu sais que... Mais oui, voilà. C'est pas une source scientifique. Voilà, d'où ma précision. On va continuer à prendre. On va partir peut-être de ce côté-là, oui ? Tu peux te lever, peut-être ? Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ouais. J'aimerais en parler parce que ça me porte vraiment à cœur. Et en gros, ce serait parler des AVS. En ce moment, il y en a de moins en moins et j'aimerais savoir s'il y aura une procédure qui va être modifiée et est-ce que les situations de handicap vont augmenter ? Alors, est-ce que quelqu'un a quelques chiffres ou quelque chose à apporter sur les AVS ? Pas précisément. Ben oui, c'est compliqué hein, pour les assistantes biscolaires. Juste, est-ce qu'on peut prendre des questions de femmes un peu ? Oui, bien sûr, excuse-moi. C'est juste que j'ai pas... Bien sûr. On va aller juste là. Ben voilà. Juste ici ? Pardon ? Bien sûr, très bonne remarque. On vous écoute. Bonjour. Alors moi, c'est plus une question au niveau de ce qui se passe en ce moment. Pourquoi, au lieu de mettre en avant la violence,
ou par exemple des propos qui ne vont pas changer les choses juste en étant agressif. Est-ce que vous pensez que ça peut améliorer la situation ou alors vous décrédibiliser devant les autres? Alors, tu veux peut-être répondre, Mathéo. Oui, moi je trouve que la première des violences, c'est le passage en force au Parlement, le 47.1, les différents... On est la seule constitution du monde à avoir ces articles. Oui, mais en tout cas, pour moi, c'est ça qui est violent. Et ça fait 3 mois qu'il y a donc des manifestations qui ne sont pas du tout violentes, très pacifistes, très pacifiques, peut-être quelques minuscules débordements. Et c'est que depuis le 49.3 qu'il y a des violences, parce qu'en fait, on ne se sent pas écouté. Et je pense que les jeunes, quand ils voient ça, ils ont l'impression... Donc, 9 actifs, enfin, 9 personnes qui seront concernées du coup par la réforme des retraites sont, sur 10 sont contre, mais ça passe quand même. Donc on a l'impression en fait de ne pas être écouté, d'avoir des personnes qui sont élues, mais que Macron a une cote de popularité de 28%, c'est peu, c'est quasiment le record sur les dernières années, mais du coup on a juste l'impression de ne pas être écouté, c'est ça la première des violences. Manon, mais là tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, pas spécialement. Pardon. Lorraine, moi, je veux juste rajouter que, effectivement, en fait, la violence, elle a lieu quand on se sent pas écouté et quand on voit plus d'autres moyens, en fait. Faut pas oublier que on est en France, on est un pays qui a été construit sous la Révolution. La Révolution, elle a eu lieu quand, en fait, on avait marre de chez marre des inégalités. Donc, pour moi, effectivement, ça peut choquer, etc. Et pour moi, effectivement, il faut qu'on se pose et qu'on se demande quelles règles on veut se donner pour pouvoir débattre pacifiquement et pour pouvoir faire en sorte que le mot démocratie au sens pouvoir du peuple par le peuple ait un réel sens aujourd'hui, en tout cas regagne de son sens aujourd'hui. Mais pour moi, en tout cas, c'est difficile de dire que la violence ne sert à rien quand on regarde l'histoire. Ça ne me fait pas plaisir de voir ça dans la rue, etc. Mais je pense que c'est entendable et qu'il faut vraiment se pencher là-dessus sérieusement. À quoi tu penses notamment comme autre façon de faire? Tu disais qu'il y avait d'autres... Justement, en fait, plein de moyens en fait, d'entendre les citoyens dans un débat apaisé. Là, c'est cool, on est 5, etc. Mais on ne représente pas la majorité des Français, on ne représente même pas la majorité de la jeunesse. Donc oui, faire appel à des conventions citoyennes, faire appel à des référendums, faire appel à des dispositifs pour que les élus aussi représentent mieux les différentes situations professionnelles, sociales, etc., y compris les personnes en situation de handicap, au sein des institutions. Et là, peut-être que, ouais, on pourra avoir des débats plus apaisés. Après, je fais souvent des débats, même dans les lycées, justement, des jeunes, ils nous disent à chaque fois, oui, mais nous, on ne va pas faire comme les grands, on ne va pas s'énerver. 3e séance, ils sont en train de s'énerver. Parce que c'est des débats qui nous touchent dans notre, au plus profond de nous. Et la politique, c'est notre vie, donc c'est normal. D'un mot, Olivier Galland, on va passer à notre question. Tu viens d'aborder la question des lycées. Et je crois, moi, personnellement, que l'école aurait un rôle extrêmement important à jouer pour retrouver en France la culture du débat et de l'esprit critique. Et surtout chez les jeunes, évidemment. Bien sûr. On est dans une école qui reste très traditionnelle, très verticale, très peu participative, où les jeunes ne s'expriment pas. Il faut qu'on retrouve la culture du débat à l'école. Bien et ce n'est pas des cours d'instruction civique, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire parler les jeunes sur leur vie quotidienne, sur les problèmes qu'ils rencontrent, sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur les problèmes de racisme. Leurs émotions, tout sur leurs émotions. Et ça, il faut en parler à l'école. Il faut que les jeunes s'expriment. Et ça peut revivifier l'esprit civique, me semble-t-il. L'école a un rôle très important à jouer. On va prendre une nouvelle question. Oui, par là. Bonsoir. Bonsoir, je suis petite. Mais on vous voit, c'est le principal. Alors moi, je vais un peu passer au-dessus du débat. Je ne dis pas qu'il est important, mais c'est un débat, voilà, on en a entendu parler. Et l'idée, c'était d'avoir des réponses concrètes et des solutions. Et modestement, moi, je vais parler d'une seule jeunesse. J'aimerais parler des enfants issus de la protection de l'enfance. Ça fait partie des jeunesses fragilisées. Alors, par rapport à la précarité qu'on a pu entendre, oui, le chiffre de l'UNEF laisse à désirer. Ce n'est pas une source sûre. Toutefois, on a quand même des étudiants qui sont dans la rue, on a quand même, qui font des files d'attente et qui attendent et qui ont faim. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'on ne va pas revenir dessus et c'est assez vrai, malheureusement.
Parmi les publics fragilisés, on retrouve en effet les sortants de l'ASE, on retrouve ce public-là, notamment dans la rue. Et à ce sujet, je pense que c'est important que collectivement, on puisse penser également à cette jeunesse. Alors désolée, je ne parle pas des autres, mais je laisserai tout le monde pouvoir parler de tout le monde. Je suis membre d'une association qui s'appelle Repère 75, donc qui est une association pour et par les anciens enfants placés, donc ça a été mon cas. Et je suis très contente de pouvoir porter cette voix ici, aujourd'hui, ce soir. À ce sujet, on sait aujourd'hui, enfin en 2019, les chiffres de rapport du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre montraient que 26% des personnes sans-abri étaient issues de la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, on a certaines choses qui ont avancé. En effet, on a une prise de conscience, il y a eu beaucoup de témoignages. Mais concrètement, sur les territoires, ça reste tout le temps catastrophique et on retrouve encore énormément de jeunes à la rue. Pour faire des propositions, je serais ravie de pouvoir en proposer plein d'autres, j'en ai, mais j'ai 1 minute 30. Il existe plus beaucoup de temps maintenant. Exactement, le contrat jeune majeur, donc qui a un abus de langage et qui s'appelle en réalité l'APJM, donc l'accompagnement pour le projet jeune majeur. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. Et aujourd'hui, c'est soumis à beaucoup de disparités territoriales. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un souci de réalité et de vraiment d'une réelle ambition qui n'est pas faite sur ce public-là, ce public tabou. Et du coup, un petit peu, quel est votre avis, même si je sais que vous n'avez pas forcément abordé, mais c'est un petit peu le but aussi. Sur l'obligation, comment aujourd'hui on travaille plus généralement les problématiques de disparité, le manque de coordination entre acteurs, entre territoires, entre outils, et comment on évite de dépenser des millions, comme c'est le cas pour le contrat d'engagement jeune rupture, pour donner quelque chose de précis, qui aujourd'hui ne fonctionne pas par manque de coordination. Donc sur la question de la décentralisation. Ouais. Voilà. Manon Mella, tu voulais répondre. Pour le coup, oui, pardon, je suis désolée, je ne vais pas répondre directement à ta question parce que je ne suis pas du tout une spécialiste, mais en tout cas, c'était simplement pour préciser mon prisme, moi, des jeunes que j'ai rencontrés. J'ai justement interrogé des jeunes de l'ASE. D'ailleurs, je me demande si ce n'était pas quelqu'un de chez Repère Paris, en tout cas, puis à Nantes aussi. Et ce qui m'a frappée, alors c'était peut-être un hasard, mais les deux jeunes rencontrés, j'ai senti un fort intérêt pour le politique, parce qu'ils m'ont dit quoi ? Ils m'ont dit, bah, en fait, nous, sur qui on peut compter ? Bah, pas sur notre famille, sur l'État. Sur l'État. Et donc, on attend énormément de choses. Et donc, je vote au municipal, parce que je sais que les décisions... Elles se prennent là. Elles se prennent aussi là. Je vote aux législatives, je vote à la présidentielle aussi, à l'élection présidentielle. C'était juste le petit point que je voulais apporter. Non, mais quelqu'un d'autre peut-être veut rajouter ? Oui ? Oui, juste dire que nous, à la FAGE, c'est une thématique dont on essaie de saisir de plus en plus. Déjà parce qu'on voit que parmi nos militants et nos bénévoles, il y a des personnes qui sont concernées, mais aussi parce qu'il y a des problématiques étudiantes spécifiques aux personnes venant de l'ASE. Simplement dire que pour nous, en tout cas moi le lien que je ferais, c'est qu'aujourd'hui encore sur beaucoup d'aspects la famille compte beaucoup trop et ça va être le cas pour un certain nombre de choses, que ce soit les bourses étudiantes, que ce soit le patrimoine culturel et donc en fait pour nous il y a un vrai sujet sur plein de thématiques et sur plein d'aspects, et aussi pour vous, du coup, pour ces jeunes-là, de construire, en tout cas, et de pérenniser une solidarité nationale, et une vraie solidarité nationale qui est ancrée et qui permet à chacun, chacune de s'émanciper à travers l'éducation, à travers son projet professionnel. Et d'une certaine manière, en tout cas, nous, on a volonté, et ce n'est qu'un... C'est pas vraiment un engagement, mais juste... en tout cas, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que, justement, ces expériences-là, et ça fait du lien avec plein de thématiques, elles puissent être aussi mises en avant, et que, quand on parle de ces jeunesses-là, c'est ce message qu'on porte là, c'est qu'il y a plein de jeunesses, c'est la jeunesse dont vous avez parlé en est une, et il faut évidemment pouvoir... faire en sorte qu'elle ait des réponses à ces questions comme les autres. Et en tout cas, nous, on le portera. Ok. Oui, on va se rapprocher de vous avec un micro. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Madame la Présidente. Moi, je souhaitais juste revenir sur l'intervention de Mathéo. Alors déjà, pour commencer, avant de commencer, je vous dis, je ne suis pas d'art en Renaissance ni rien. Premièrement, vous avez une belle cocarde sur votre... Oui, c'est parce que je suis conseiller régional jeune d'Île-de-France. Voilà, donc c'est important de le préciser. Alors, je souhaite premièrement revenir sur l'UNEF. Vous avez cité un sondage de l'UNEF. Est-ce que c'est la même UNEF qui, avant-hier, m'a envoyé 20 antifas, m'empêcher de tracter, me bousculer, menacer de me taper et m'insulter ? Voilà. Et vous avez parlé de courage. Alors moi, ce n'est pas la définition du courage que j'ai de faire une tribune à charge contre la présidente de l'Assemblée nationale et Emmanuel Macron sans qu'elle puisse directement vous répondre. Et... la jeunesse a d'autres moyens de s'exprimer. Enfin, je suis désolé, on n'est pas obligé de taper du flic, de casser des abribus, de foutre le feu à des poubelles
pour s'exprimer. Il faut arrêter. Et les réseaux sociaux, la politique, ça ne se passe pas sur TikTok. Ce n'est pas parce qu'il y a 40% de jeunes qui vous disent ça sur TikTok que non. C'est vrai. Il y a d'autres moyens de savoir. Alors, déjà sur l'UNEF... Attends. Vas-y, Mathéo. Sur l'UNEF, on a le président de l'UNEF à Assas qui est présent ici, qui est Rémi Goubert, qui, du coup, j'espère, pourra peut-être répondre juste après, parce que je ne suis pas spécialiste de l'UNEF. Ensuite... Tu as dit sur le fait qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer. En effet, ça fait 3 mois qu'il y a le moyen le plus simple de s'exprimer, qui est d'aller marcher dans la rue, etc. Il est utilisé. Et au bout d'un moment, les gens n'en peuvent plus parce que la réforme des retraites, c'est très violent. Moi, je peux vous donner des témoignages que j'ai reçus aujourd'hui. Il y a Emmanuel qui me parle de son père. Son père a 43 ans. Il est déjà totalement fracassé par son métier. Et il ne sait pas si son père, déjà pour aller à 62, il devrait aller à 64. Ça, c'est violent. Comment Emmanuel Macron? Non, non, le père dont tu fais référence, la personne. Non, mais il a été voté, il est allé voter, je sais pour qui il a voté. Et ensuite, tu avais parlé d'autre chose. D'un troisième point. Oui, de faire une tribune contre Madame la Présidente. Alors déjà, c'était pas forcément vous toute seule, c'est vous, le gouvernement, les députés. Et le président de la République surtout. Mais je pense qu'en fait, oui, j'aurais pu, au début j'ai hésité à faire une introduction toute simple, où je dis des banalités. Mais non, à un moment, il y a besoin d'exprimer une certaine colère, et là, je le fais de manière très calme. Et hier, et ce qui m'a motivé à faire cette tribune, où je dis des choses, je dis des opinions, c'est le fait que hier j'étais en manifestation, et j'ai vu la colère des gens, j'ai vu la manière dont agissaient les CRS, j'ai vu les violences, on a pu en voir. Mais il y a le président du parti du travail belge qui parle aussi de répression policière, Amnesty International, le Conseil de l'Europe, l'ONU. Donc je peux en citer plein, mais si vous contredisez, si vous contredisez le Conseil de l'Europe, je ne peux rien y faire. En tout cas, au-delà de ça, l'idée, voilà, c'est de pouvoir débattre, et c'est ce que propose l'Assemblée des idées. Donc voilà, chacun a la faculté de le faire et de bien le faire. On va tout là-bas, oui, je vois une main levée. Oui, monsieur, peut-être ? Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Est-ce que l'argent récupéré suite aux fraudes bancaires pourrait permettre de financer les retraites et stopper la réforme de Macron ? Alors, personne, malheureusement, je pense, pourra répondre là. Voilà. Très bien. Nous ne sommes pas... Voilà, c'est ça. Fort. Oui, bien sûr. Je ne sais pas où se trouve le... Alors, la présidente. Non, je voudrais juste intervenir parce que on a organisé cette quatrième édition de l'Assemblée des idées sur la thématique « Ce que veulent les jeunes ». Moi, j'avais imaginé que vous nous décririez la société dans laquelle vous avez envie de vivre, dans quel avenir professionnel vous avez envie de vous projeter, dans un monde où, je ne sais pas, est-ce que l'écologie est une vraie priorité pour vous ? Est-ce qu'on entend parler de jeunes qui... réfléchissent à ne pas fonder de famille parce que le monde dans lequel ils vont vivre n'est pas un monde dans lequel ils se projettent. Moi, j'ai envie de vous entendre sur ça. J'ai bien compris les positions de Mathéo, elles sont respectables, il les a exprimées. Je ne veux pas maintenant qu'on passe la soirée là-dessus parce que vraiment, ce n'est pas l'essence de ce débat et je pense que la plupart de ceux qui sont dans cette salle ce soir ne sont pas venus pour parler uniquement des retraites ou des manifestations. Ils sont venus pour nous dire ce que voulait la jeunesse. C'est pour ça que j'ai invité ces intervenants et Mathéo compris. Et donc, j'aimerais maintenant qu'on puisse recentrer le débat sur les aspirations. J'entends qu'il n'y a pas une jeunesse, mais qu'il y a des jeunesses. Et ce qui se passe en ce moment dans cette salle montre bien qu'il y a des jeunesses. Alors, exprimez-vous, dites-nous ce que vous voulez, mais ce que vous voulez peut-être maintenant en positif. J'entends que vous êtes contre un certain nombre de choses, mais vous êtes pour quoi ? Vous êtes pour quoi ? Dites-le nous, parlez, on vous écoute et on note. On va peut-être se diriger par là. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Dites-nous. J'ai cru que j'allais plus avoir de sang dans le bras.
Madame la Présidente, chers invités, donc, je me présente brièvement quand même. Je suis étudiant donc, à l'IRA de Nantes en classe prépa talent. Merci d'avoir quand même remis un peu d'ordre dans le débat, parce que même si la situation actuelle, je suis contre le matraquage législatif, mais à un moment, il faut reprendre le débat où il en est. Mes questions, donc la première, ça va être la condition des jeunes dans les Outre-mer, parce que aujourd'hui, donc, on parle beaucoup des jeunes en métropole, ici à Paris, on est bien, on est au palais, mais nos jeunes aux Outre-mer, on connaît le taux de chômage dans ces départements et ces territoires, c'est effarant de voir leur approche à la politique, mais les politiques là-bas, ils ne les connaissent pas, ils ne les voient jamais. Donc c'est vraiment quelque chose... Je pleure en même temps. Alors, quelle est votre question? Qu'est-ce que vous aimeriez approfondir? Comment on peut toucher ce genre de public qui est si éloigné finalement du monde politique, qui ont un quotidien, il faut le rappeler quand même, qui vivent de très peu, même de misère. On parle de la misère étudiante, mais dans la misère des Outre-mer, c'est deux fois pire de ce qui peut se passer. Donc là, il y a une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse-là? Est-ce que, parmi vous, Manon? Non, mais j'allais dire déjà s'adresser à elle, que ce soit les journalistes, les politiques. Et puis ensuite, ça passe par les services publics, par l'école et par les médias. Encore une fois, désolée, c'est vraiment mon prisme à moi, mais à qui on parle, quoi. Mm-hmm. Oui, Olivier Galland. Je ne connais pas bien. Votre question est tout à fait pertinente et très juste. Hein. Malheureusement, je connais pas bien la situation des jeunes d'outre-mer. Mais ce qu'on peut dire, quand même, d'une manière un peu plus générale, c'est que tout passe par l'école. Tout passe par l'école. Vous savez, les jeunes qui sont en difficulté en France, ce sont d'abord des jeunes qui soit ont échoué à l'école, soit ont arrêté leurs études, soit ont été mal orientés, ont des très petits diplômes. Et ces jeunes-là, leur situation se dégrade continuellement. En fait, l'écart de chance sociale entre les jeunes qui ont des petits diplômes ou pas de diplômes et les jeunes qui ont des diplômes, les jeunes étudiants, cet écart ne fait que s'accroître au détriment des jeunes sans diplôme. Donc, je considère que, véritablement, le projet éducatif, le projet pour l'école, le projet pour... Et vous savez que l'école française, malheureusement, marche mal. Il y a trop d'échecs scolaires, il y a une mauvaise orientation. On a évoqué cette question d'orientation. Ça perturbe beaucoup les jeunes, la question de l'orientation, la mauvaise orientation. Voilà, donc il y a un très gros travail à faire sur l'école. Je pense que c'est absolument fondamental pour donner un meilleur avenir à la jeunesse. Lorraine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi j'aimerais juste revenir, réponses pour moi par rapport aux jeunes d'outre-mer, ce serait en fait déjà de plus décentraliser, effectivement, parce que en fait, surtout à une heure où les préoccupations écologiques sont fortes et à raison, en fait, tout ne peut pas passer par Paris, ça va être un peu compliqué. Donc effectivement, pour moi, il faudrait plus leur donner de perspectives sur leur territoire, des perspectives d'avenir, des perspectives en fait qui leur redonnent espoir en fait en l'avenir sur leur île aussi également, parce que il y en a plein qui viennent dans l'Hexagone à contre-cœur en fait finalement, alors qu'elles auraient aimé rester sur place. Donc pour moi, la décentralisation des pouvoirs, des décisions et de la vie professionnelle, etc. C'est une réelle question, et je pense que beaucoup de jeunes auront le même avis, que ce soit les jeunes de banlieue, de quartiers populaires, les jeunes des campagnes, les jeunes d'outre-mer. En fait, on a quelque part une république à deux vitesses. Et pour moi, en fait, si on ne fait pas preuve d'équité, mais aussi de décentralisation, en fait, ces problèmes, ils vont perdurer. Oui, Étienne. Et juste très rapidement, d'une certaine manière, cette question, elle est d'autant plus compliquée parce qu'on a parlé des jeunesses, mais en fait, parler déjà des Outre-mer, c'est une généralité, puisque un jeune en Polynésie française, à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, n'aura pas les mêmes problématiques. Simplement, faire un retour peut-être d'expérience, que nous, ce qu'on observe sur ces territoires-là, c'est que les jeunes et les étudiants, ils sont d'autant plus mobilisés pour pallier les manquements des services publics. Et on a vraiment des groupements et des associations d'étudiants qui sont extrêmement fortes, en fait, pour pallier et apporter de l'aide, en fait,
tout simplement à leur père. Et juste, je rejoindrai évidemment la prise de parole qui a été faite juste avant. Et par rapport à l'école, assez d'accord, simplement une école qui serait différente que celle d'aujourd'hui, parce qu'on sait que, en tout cas, ça a été dit, elle fonctionne mal, elle ne correspond pas à toutes et tous. Et d'autant plus dans les Outre-mer, on a quand même un sujet justement sur comment est-ce que depuis Paris, malheureusement, même si d'une certaine manière c'est pas l'idéal comme ça a été dit, on peut avoir une politique éducative qui correspond à des publics qui en réalité sont pas du tout connus en fait ici dans l'Hexagone. On va aller vous voir, madame, juste là. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'aimerais faire juste une petite remarque à monsieur Matteo. Comment, de quel droit vous permettez-vous de parler de répression ou de régime ou, enfin, répressif ou même de violence, d'armes de guerre quand vous n'avez jamais connu de pays en guerre? Je l'ai connu personnellement. Et je peux vous dire que sous un régime répressif et pendant une guerre, ce n'est pas seulement la jeunesse qui n'a pas accès à la connaissance, à l'information et au droit de, enfin, à la liberté d'expression, mais toute la population qui n'a pas ce droit-là. Donc d'où vous permettez, enfin, comment pouvez-vous vous permettre de dire ça? Et deuxième chose, une question aussi, avant de vous laisser là. Vous avez exposé beaucoup de problématiques, mais j'aimerais savoir comment pourrions-nous passer du projet d'inclusion au projet d'invitation et d'information et de donner accès à la connaissance à ces invités qui seront les jeunes, à la connaissance et à la participation à la vie politique et à la vie sociétale en tant que citoyen, puisqu'aujourd'hui, je pense que l'une des plus grandes problématiques, c'est le manque d'information et peut-être parfois la désinformation, puisque les sources d'information ne sont pas toujours fiables et les jeunes ne savent plus où aller s'informer et qui a peut-être raison, où est la source de la... On vous a entendu. D'un mot, et puis on répondra aussi à votre vraie question. Donc d'un mot, Matteo. Concernant les armes de guerre, c'est factuel, ce sont des armes de guerre, les LBD, les explosifs de type GM2L, après je peux continuer la liste, mais c'est vraiment, il y a une liste de qui sont considérées comme des armes de guerre et qui sont utilisées par les forces de l'ordre, par exemple à Sainte-Soline. Et ensuite, concernant la répression policière, c'est Amnesty International, et l'usage excessif de la force, c'est le Conseil de l'Europe qui l'affirme. Donc voilà pour cette partie. Manon Mella, sur l'information, j'imagine. Sur l'information, pour le coup, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Je pense que l'éducation aux médias, c'est si on doit parler de solutions et de pistes. Je vous avoue, moi j'ai 30 ans, donc là je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est en termes d'éducation aux médias. À mon époque, entre guillemets, ça n'existait pas. Peut-être qu'aujourd'hui ça commence, mais c'est encore un petit peu à la marge. Je pense qu'encore une fois, pour rejoindre Olivier, je pense que dans les écoles, les professeurs doivent expliquer, voilà, aujourd'hui quand on veut s'informer, on va sur quel site? Ouais. Le problème, c'est que les médias subissent aussi quand même une très grande critique qui peut finalement bouleverser tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont plutôt avoir confiance en YouTube ou en Twitter qu'au Monde.fr ou à France Info. Et ça, je pense que c'est très, très grave. Et tout ça, il y a vraiment une urgence à réparer ça. Enfin, j'imagine on est OK là-dessus. Éducation aux médias. Pour le coup, le CLEMI existe. Je pense que ça évoque peut-être pas mal de choses. Même pour vous, hein, lycéens, à ma droite et à ma gauche, vous avez peut-être eu des intervenants du CLEMI, hein, voilà, qui font un travail fantastique justement sur l'éducation aux médias, mais et après, peut-être pas suffisant. Pour réparer peut-être la défiance qu'il y a envers les médias, il faut qu'on questionne aussi notre manière de nous exprimer, peut-être donner la parole à des jeunes journalistes beaucoup plus, casser les formats, et voilà quoi. Alors, oui, on t'écoute, Étienne. Oui, juste avant, dire que sur la question plus globale, en fait, tout à l'heure, on a parlé des EMC qui n'étaient pas respectés, on a parlé de tout un tas de choses. Très rapidement, dire qu'aujourd'hui, le constat, tout le monde le fait, c'est plutôt comment est-ce qu'on réseau ça, et c'est l'objet de votre question. Pardon. Nous, ce qu'on pense à la FAGE, c'est que globalement, il faut repenser en fait, un parcours d'engagement et de citoyenneté chez les jeunes. Aujourd'hui, on sait que ce qui cristallise, malheureusement, selon nous, la discussion, c'est le service national universel à l'heure actuelle. Bon, je ne suis pas là pour faire polémique sur ce sujet-là, simplement dire que pour nous, qu'on soit pour ou contre,
J'espère en tout cas qu'on est toutes et tous d'accord que ce n'est pas deux semaines qui vont résoudre le problème de l'engagement et de la citoyenneté des jeunes, et qu'en fait il y a un travail bien plus profond à faire en amont et en aval d'un dispositif qui existerait s'il faut qu'il existe. Et notamment, les EMC, on a parlé du fait que ça rattrapait l'histoire. Bon, enfin, on peut imaginer des choses toutes bêtes, mais faire en sorte que par exemple les profs d'histoire ne soient pas les mêmes pour les EMC et pour les cours d'histoire, ouais. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'un prof ne peut pas rattraper ses heures du coup sur les EMC. Et ensuite, derrière les EMI, donc l'éducation aux médias, aux médias et à l'information, et comment en fait globalement on articule tout ça dans un parcours scolaire cohérent avec du débat et dès en fait le plus jeune âge. Enfin, des élèves de CP sont capables de débattre et d'avoir des discussions très intéressantes sur plein de sujets. Olivier Galland, vous vouliez compléter. Juste un mot très rapide. Je crois qu'on pourrait aussi mieux reconnaître l'engagement. Par exemple, dans Parcoursup, je ne sais pas si c'est le cas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître l'engagement comme un facteur favorable pour s'orienter? Ça existe, tant mieux. Oui, tant mieux. Exactement. Mais par exemple, les points ECTS à la fac, pourquoi ne pas reconnaître aussi, valoriser les jeunes qui s'engagent de cette façon? Voilà, il faut aussi faire des incitations bien positives. Sûr. Pour les pousser jeunes les jeunes à s'engager. Voilà. Je vais juste prendre Lorraine et après je vais revenir vers toi. Oui, effectivement, la reconnaissance de l'engagement, en tout cas, il y a des progrès qui ont été faits. Moi, par exemple, j'ai pu passer directement de la licence au Master 2 parce que mes 5 ans d'engagement ont été reconnus via plein de validations de matière, ce qui m'a permis de continuer à militer notamment. Mais en fait, moi, en fait, ce que j'entends par beaucoup d'interpellations et de questions, c'est que finalement, sur la question de l'école, finalement, je trouve qu'aujourd'hui, l'école, elle forme plutôt des travailleurs et moins des citoyens. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'on devrait interroger. Et c'est ça que j'ai l'impression, en tout cas, que pas mal de jeunes, ici et d'ailleurs, veulent, en fait. C'est que vraiment, ce soit une école qui nous apprenne, en fait, qui nous permette de trouver notre place dans la société, pas que par le métier, mais aussi par la citoyenneté. Mmh. Et je pense que ce serait un des remèdes, notamment face à l'individualisme qui monte, en fait, de plus en plus, face au désengagement, etc. D'un mot ? Juste pour l'engagement, moi je trouve aussi que ça devrait être plus reconnu sur Parcoursup, enfin, ce serait important, et aussi plus de transparence des choix des différentes écoles pour savoir du coup sur quels critères certains sont pris, certains ne sont pas pris, et pour du coup mettre en avant l'engagement. En tout cas, l'engagement, il est de toute façon, il fait partie du processus, mais peut-être qu'il pourrait être amélioré, ça c'est sûr. On vous écoute, monsieur, avec la cravate juste derrière, hop, qui lève la main depuis tout à l'heure, puis après je vais venir aussi parler, parce que je ne vous vois pas... On vous écoute. Bonjour, merci tout d'abord d'avoir organisé cette conférence. J'aimerais vous partager mon expérience. Je fais partie d'une association qui s'appelle le Parlement des étudiants. Et c'est une très belle association qui amène le débat au sein des universités et des lycées. Et ça rejoint complètement le débat qu'on est en train d'avoir en faisant des simulations parlementaires. Aujourd'hui, on est implanté dans près de 20 villes et on touche près de 2000 étudiants. Et on lutte tous les jours pour encourager les jeunes à participer au débat et à les intéresser à la politique. Mais en réalité, on manque cruellement de soutien de la part des institutions, à la fois financiers et éventuellement même des politiques, pour venir intervenir dans nos associations. Et M. Galland l'a très bien dit, tout passe par l'école. On a besoin d'une éducation politique. C'est pour ça qu'on a besoin des soutiens, de votre soutien. Et enfin, j'aimerais remercier l'Assemblée nationale et Madame la Présidente qui nous ont déjà aidés dans certains de nos événements. Merci beaucoup. Ok. Ça n'amène pas forcément de réponse, non ? Si, tu veux rajouter quelque chose, bien sûr ? Simplement dire que... Alors, du coup, vous avez parlé de lutter pour sensibiliser les jeunes. Nous, c'est évidemment quelque chose qu'on fait, notamment à travers l'exercice électoral à l'université. Et simplement dire que quand on parle de vie étudiante, alors évidemment, les étudiants ne sont pas tous les jeunes, ça reste quand même quelques millions de personnes. Juste dire que pour nous, il y a en effet un sujet sur comment est-ce que, mais en fait, à l'université, mais déjà au collège, il y a des délégués de classe. Enfin, comment est-ce que, en fait, on peut aussi déjà soit mettre les rôles qui existent déjà au cœur des fonctionnements et que ce soit pas juste perçus comme des rôles annexes, un peu comme ça, parce qu'il en faut, ou alors même les réformer, mais en tout cas y réfléchir. Et nous, en tout cas, c'est des travaux
qu'on mène, parce que voilà, à l'université, quand on a 5% de participation à un scrutin, ça pose énormément de questions. Bon, il y a quand même 5%, c'est quand même toujours plus de personnes qui votent pour nous que pour les enseignants, parce que ils sont moins, puisqu'on est 90% d'université, nous les étudiants. Mais ça fait écho à ça, votre prise de parole. Manon, tu voulais rajouter quelque chose ? C'est vraiment pour apporter une petite nuance du coup que tu viens d'apporter, Étienne, mais sur attention, les jeunes qui s'engagent dans des associations, les jeunes étudiants, c'est pas du tout représentatif de tous les jeunes. N'oublions pas les jeunes qui travaillent, qui sont au chômage, qui ont quitté le système scolaire, je sais pas, en quatrième ou en troisième. Qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être déjà réduire la précarité. Avant de s'engager, il faut déjà pouvoir avoir l'espace mental en fait pour ça. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier, quoi. On va prendre une question par là, peut-être, madame. Oui. Oui. Juste là. On vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Initialement, je voulais faire quelque chose sur la démocratie, puisqu'il y avait la question de est-ce que les jeunes sont hostiles à la démocratie, etc. Sur le fait que les jeunes vont s'engager en démocratie s'ils ont l'impression que ça sert à quelque chose. Et en l'occurrence, quand, que ce soit sur les initiatives style Convention citoyenne pour le climat, il y a 15 propositions sur 149 qui ont été reprises. Bon, évidemment, ça ne sert à rien. On ne va pas revenir sur le 49-3, mais de même, c'est-à-dire que si on vote pour des députés et qu'après leur avis n'est même pas pris en compte, déjà l'avis des députés alors qu'ils sont censés être représentants, ça pose problème. Mais pour répondre à votre cahier des charges et à votre question en positif, sur concrètement, qu'est-ce que veulent les jeunes ? Déjà, je pense que c'est un peu une erreur de séparer les jeunes du reste de la société. Enfin, les jeunes sont éminemment affectés par tout le reste, que ce soit les retraites, mais aussi la précarité, vous l'avez rappelé, que ce soit les étudiants, les jeunes qui travaillent, au chômage, etc. Mais peut-être juste un petit focus sur la question écologique. J'avais une discussion avec mon père hier matin, qui a 73 ans, et qui me disait, oui, pour tes enfants, etc. Et je lui disais, moi je pense que j'aurais pas d'enfants. Il me regarde avec des grands yeux en me disant, mais comment ça ? Comment c'est possible et tout ? Et je lui dis, mais honnêtement, je pense que je vais finir ma vie dans des conditions climatiques absolument désastreuses. Enfin, avec des sécheresses extrêmes, avec des événements climatiques extrêmes et compagnie. Et il était halluciné, il se disait, mais comment est-ce que tu peux ne pas avoir d'espoir ? Et je lui disais, c'est le monde dans lequel on est, les trajectoires climatiques qu'on a qui ne donnent pas d'espoir. Donc face à ça, deux trucs, atténuation climatique, juste réduire au maximum les émissions de carbone en faisant en sorte que ça ne pèse pas sur les individus ou les plus précaires, et adaptation, pareil, s'assurer que les plus précaires ne soient pas les plus impactés par le changement climatique. Merci pour votre intervention. Olivier Galland, est-ce que la question climatique, l'angoisse aussi de cette thématique-là, vous l'avez ressentie dans votre enquête ? Bien sûr, c'est une des préoccupations majeures des jeunes, c'est sûr, c'est un des sujets qui est vraiment en tête de leurs préoccupations. C'était pas quand même le plus cité, c'est les violences faites aux femmes qui étaient le plus cité par les jeunes comme sujet qui les intéressait. Donc oui, effectivement, c'est un sujet qui est tout à fait... Mais ceci dit, vous savez... Cette préoccupation environnementale, je crois qu'elle est aujourd'hui partagée par toutes les générations. Donc, c'est les jeunes peut-être un peu plus, mais c'est vraiment un sujet qui est partagé aujourd'hui par toutes les générations. On vous en parlait beaucoup, Manon. Pour le coup, quand j'ai tourné cette série Génération 2022, effectivement, j'ai rencontré des jeunes, plutôt des jeunes urbains. On parle d'éco-anxiété, c'est le terme qu'on lit souvent et dont on entend souvent parler. Peut-être moi je vais vraiment rester dans mon couloir et je vais pas trop me m'épancher sur le truc, mais quelle solution pour répondre à cette éco-anxiété qui a de vraies conséquences, et c'est vraiment pas rien, des conséquences psychologiques en termes d'avenir, décider à 18 ans qu'on ne voudra pas d'enfants alors qu'on n'a que 18 ans, ce genre de choses, peut-être que les politiques de tous bords pourraient mieux communiquer sur les choses qui sont entreprises, même si c'est... je ne jugerai pas de la qualité des mesures, mais en tout cas, mieux communiquer sur les mesures, parce que forcément, si les jeunes, entre guillemets, ont l'impression que rien ne se passe, ce n'est pas forcément toujours la réalité. Et ce soir, on a fait justement un stream, donc une émission sur Twitch, sur la synthèse du 6e rapport du GIEC,
Et il y a aussi, je pense, un devoir, un gros défi d'information scientifique, parce qu'il y a aussi des solutions qui existent. Et je pense que souvent, le manque d'information donne souvent naissance. Ça ne veut pas dire du tout que c'est injustifié, mais je pense qu'on peut essayer d'améliorer un peu cette anxiété qui est très, très présente. Un point là-dessus complémentaire. Je crois que, et Madame l'exprimait bien, je crois qu'il y a une exigence très forte de changement assez radical des jeunes à propos de l'environnement. Simplement, il y a un sociologue célèbre qui est décédé maintenant qui disait autrefois, on ne change pas la société par décret. C'est-à-dire changer une société radicalement de fond en comble, malheureusement, c'est très difficile et en fait, personne ne le fait. Personne ne le fait. Donc, les changements, ils sont incrémentaux, ils sont progressifs. Et ça, évidemment, ça secrète beaucoup de frustration chez une partie de la jeunesse. Mais voilà, malheureusement, c'est très difficile, et je dirais presque impossible, de changer radicalement une société de fond en comble. Alors, peut-être que l'exigence du climat l'exigerait, mais vous savez, dans une société, il y a beaucoup d'intérêts contradictoires. Et donc, c'est compliqué, c'est très compliqué comme affaire. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, moi, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages concernant l'éco-anxiété. Beaucoup de personnes qui se disaient vraiment préoccupées par ça et que ça les inquiétait. Et du coup, ça les amenait même des personnes qui ont envie en soi d'avoir des enfants, mais qui se disent je ne pourrais pas les faire vivre sur une planète qui brûle. Et par exemple, je ne pense pas que dissoudre des groupes écologistes, ça résout le problème. Non, parce que en fait, le problème, c'est qu'en ce moment, il y a énormément une criminalisation des personnes qui se mobilisent pour l'écologie. Donc, il peut y avoir ceux qui ont jeté de la soupe sur des tableaux qui sont protégés par une vitre. Et je trouve qu'il y a une virulence du gouvernement envers ces personnes et des gouvernements même de l'ensemble de l'Europe. Le soulèvement de la Terre, c'est ça, tu fais référence à cette association. On t'a entendu. Vous voulez peut-être vous exprimer, M. Moukha ? Non ? On va vous tendre un micro. Je ne veux pas capturer la parole parce que je crois qu'il y a énormément de mains levées. C'était juste peut-être en deux mots pour vous dire que vous exprimez tous un besoin d'écoute. Et c'est juste pour vous tenir au courant du fait que ça fait maintenant 3-4 mois qu'on est en train d'essayer avec une cinquantaine de jeunes et de moins jeunes de réfléchir à des propositions qu'on va pouvoir mettre en avant au mois de mai ou juin prochain. Étienne fait partie de la boucle de discussion, on n'est pas toujours d'accord sur les sujets, mais juste pour vous dire peut-être au-delà des débats d'opinion et des opinions différentes que vous pouvez avoir, peut-être un peu en note d'espoir, on est en train d'essayer de sortir vraiment des choses concrètes pour venir vous aider sur les différents sujets que vous mentionnez, l'anxiété climatique, les difficultés politiques, etc. Je ne vous ai pas présenté, mais on précise que vous êtes délégué interministériel à la jeunesse, parce que ça parlera peut-être. Exactement, oui, pardon, je ne me suis pas présenté, mais voilà, c'était juste cette petite note-là, et n'hésitez pas, s'il y en a certains qui veulent venir me voir après, pour venir même participer aux travaux et essayer de trouver des solutions concrètes à ces difficultés. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire, avec beaucoup d'humilité, parce qu'on sait qu'on n'aura pas toutes les solutions tout de suite, mais vraiment à l'écoute juste après. Mais je vous laisse la parole, parce que c'est quand même plus important. Bien sûr, mais c'était important aussi de préciser que vous étiez là aussi pour répondre à cette attente-là. Oui, monsieur, peut-être avec... voilà, qui se lève. Oh, on vous écoute. Oui, il arrive tout de suite. Oui, bonjour. Donc, on parle de la jeunesse en France, mais aussi il faut savoir qu'il y a de la jeunesse française hors de France, établie hors de France. Donc moi par exemple, je viens d'Espagne, d'un lycée français établi hors de France, et donc il n'y a aucun lien entre les Français dans ce lycée et la République et la France, à part égalité, liberté, égalité, fraternité dans le mur ou le drapeau français, il n'y a pas un lien. Et donc, monsieur qui disait qu'il faisait des projets, est-ce que ces Français hors de France sont-ils inclus ? Donc, qu'est-ce que vous envisagez à part l'école ? Parce que l'école, il faut réformer l'école, mais qu'est-ce qu'il faut réformer dans l'école ? Qu'est-ce qu'il faut ? Donc, quelle solution ? Parce que c'est bien de dire qu'il faut réformer, mais c'est des paroles qui volent et qui il faut bien dire qu'est-ce qu'il faut réformer. Qu'est-ce qu'il faut réformer dans l'école, Olivier Galland ? Donc, merci. Sujet difficile. Écoutez, je crois qu'on a une école, mais je vais être très bref. Je crois qu'on a une école, comme j'étais tout à l'heure, qui est restée trop traditionnelle.
Vous savez, on a eu mai 68, mais en fait, j'ai l'impression que... Alors, 68 a changé un peu l'université, c'est vrai, mais l'école, pas tellement. Et on a une école qui est restée très traditionnelle, avec des élèves qui écoutent, qui prennent des notes, un enseignement très vertical, très peu d'autonomie des établissements scolaires. Moi, personnellement, je serais pour que les établissements scolaires aient plus d'autonomie pour pouvoir s'adapter à leur public, pour pouvoir éventuellement adapter un peu les programmes nationaux au public qu'ils reçoivent. Bon, il y a beaucoup... Et, alors, un point très important, c'est que les profs devraient être mieux formés à la pédagogie. Voilà. Ça, les études de l'OCDE le montrent. Les profs sont très mal formés à la pédagogie, donc ils ont du mal à gérer une classe, surtout quand il y a du désordre dans une classe. Ouais, bien ils sûr. Ont beaucoup de mal à gérer le désordre. Et ça, et surtout qu'on envoie les jeunes profs, du fait du système d'affectation des professeurs en France, on envoie les jeunes profs sans expérience dans les quartiers les plus difficiles. Ouais, donc tout ça est une catastrophe. Donc il y a, je ne peux pas tout expliquer en 5 minutes, mais ça, il y a ça fait énormément de choses à faire. Très bien. Peut-être par là un petit peu. Oui, monsieur. Alors, Mathéo, un mot sur ce qui a changé dans l'école. Et moi, je vais parler particulièrement des études supérieures, donc au niveau de Parcoursup. Moi, je suis étudiant en Belgique à l'Université libre de Bruxelles. Et on se rend compte que suite à l'arrivée de Parcoursup, il y a de nombreux élèves qui se retrouvent du coup, qui vont beaucoup en Belgique. Je crois que dans la promo où je suis en sciences politiques, sur les 800 élèves, il y a 400 élèves qui sont français. Et même, je discute avec des Belges, ils me disent qu'ils se sentent, entre guillemets, envahis par les Français. Et du coup, c'est pas forcément très bien parce qu'on n'est pas forcément volontaire pour aller à l'autre bout de la France, surtout quand on habite à l'autre bout de la Belgique, et de se retrouver dans un pays qui n'est pas le nôtre, de se retrouver même si la langue est la même. Je trouve que ça pourrait être un choix. De nombreux élèves font ce choix, mais là, ce n'est pas un choix qui est fait. Mmh. Et ensuite, je trouvais ça intéressant que vous receviez, par exemple, le président du syndicat La Voix Lycéenne, Manès, qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours. Et je pense qu'il faudrait le recevoir parce qu'il a de nombreuses revendications. Vous êtes peut-être même déjà en contact avec lui, non? Oui, c'est ça. Vous faites oui de la tête, c'est ça? Très bien. Ben voilà, au moins c'est dit. Vous recevez quelqu'un de La Voix Lycéenne. Oui, on vous écoute. Ah, pardon. Attends, alors, juste une toute petite seconde. Pardon, excuse-moi, Lorraine. Je ne sais pas si on m'entend. Ah, si, c'est bon. Non, en fait, juste sur l'école, enfin, pour répondre à ta question, si je peux te tutoyer, c'est juste que je pense qu'on... Tous ici, on a plein de propositions en réalité à quelle école on voudrait pour demain. Et ce n'est pas une question pour moi qu'on peut répondre individuellement. Et c'est pour ça que y a plein d'organisations de jeunesse notamment qui se mobilisent pour élaborer des propositions de loi à faire passer aux députés, etc. pour réformer cette école, voire la changer totalement. Et donc je pense que ce serait intéressant que tu te rapproches notamment de ces organisations-là. Donc n'hésite pas à venir me voir juste après, ça s'intéresse. Voilà, l'appel est lancé. On vous écoute. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous déjà. Merci beaucoup pour cette assemblée des idées qui est quelque chose d'assez intéressant quand même. Moi, c'était par rapport à la question des médias. Donc Manon, ça va plutôt être tourné vers vous. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de médias et de personnes qui font en sorte que les jeunes aient accès aux médias, aient accès à l'information globalement, aient accès à la politique. On peut penser à des Hugo Décrypte sur tous les réseaux. Et c'est pour ça que je n'étais pas trop d'accord avec la personne qui avait parlé une fois du fait que la politique ne se passe pas sur TikTok. Eh bien, si, quand même, la politique se passe sur les réseaux sociaux, la politique se passe autant à la télé que sur Twitter, sur Instagram. Il faut évidemment avoir cet esprit critique de réfléchir à ce qu'on voit, ce qu'on lit, penser est-ce que c'est quelque chose de bien, est-ce que c'est quelque chose de mal. Mais la politique se fait partout, l'information se fait partout. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous remercier par rapport à Twitch et à l'avancée que vous faites par rapport à ça sur France TV. Parce que du coup, à la suite du départ de Samuel Etienne sur Twitch et du coup France TV qui s'est lancé dedans, ça permet à beaucoup plus de monde et beaucoup plus de jeunes de pouvoir avoir accès à cette information, avoir accès à cette politique, avoir accès aux médias, notamment avec la revue de presse tous les matins de Samuel Etienne. Et donc c'est quelque chose qui est très important et je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faudrait continuer pour toucher les jeunes avec les médias et non plus avec les vieux médias
notamment la télévision, comme on voyait il n'y a pas longtemps un sondage qui disait que la moyenne d'âge était d'environ 50 ans plus, je ne sais plus exactement. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Manon Mella, c'est un discours évidemment qui te parle. Et cette diversification justement des sources et des moyens plutôt, des médiums. Ouais, des supports, mais pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup pour les encouragements, parce que c'est vraiment mon, entre guillemets, mon combat à France Info, c'est de dire, eh oh les amis, il n'y a pas que la radio et la télé, à la radio aussi. Alors moi, je travaille plutôt, je suis à France Info côté Radio France, même si je suis sur Twitch. La moyenne d'âge, c'est 55 ans. Et cette idée de créer une émission d'actu tous les soirs sur Twitch, c'est parti d'un constat très simple. Je venais de passer un an à donner la parole aux jeunes à travers toute la France. Et je suis rentrée au mois de mai à la rédac et je suis allée voir le directeur et je lui ai dit, c'est pas possible en fait. Il faut qu'on arrête de se dire, ouais, on va faire des chroniques jeunes à la radio. En fait, il faut qu'on aille sur les supports, il faut qu'on soit présent. Ils ne connaissaient pas France Info, ou peu, ou pas beaucoup, ils n'écoutaient pas. Si, ils avaient entendu parler, Twitch, on sait qu'il y a Jean Massier, Samuel Etienne. Non, je parle de France Info, c'est-à-dire que tous les jeunes que vous avez rencontrés vous disaient, oh, moi j'écoute peut-être pas ou peu la radio. Ah ben oui, complètement, ouais, voilà. Complètement, c'est le cas. Et donc il y a effectivement des gens, alors pas forcément que des jeunes, hein, franchement sur Twitch c'est moins de 45 ans on va exactement dire. Mais c'est vrai que c'était pas forcément des gens qui écoutaient la radio ou la télé et maintenant qui ont accès à une information quand même clean, même sur Twitch. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut que nous les journalistes, on se bouscule. Il faut qu'on arrête les réflexes, il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on fasse des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, il faut qu'on se pose devant une caméra, qu'on fasse des vidéos sur YouTube, sur Twitch, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'information elle se passe partout et la politique aussi, et donc il faut aussi sortir de la télé et de la radio, et c'est pour ça qu'il faut embaucher des jeunes journalistes. Non mais c'est vrai, et utiliser tous les canaux bien sûr. Voilà, bien sûr. Et moi je voulais... Oui, bien sûr, Lorraine. Je voulais juste ajouter aussi un truc, c'est que, effectivement, les médias, c'est important, les canaux d'information et tout, c'est super important, mais pour moi, en tout cas, au niveau politique, rien ne remplace parfois le contact humain. Et pour moi, c'est vraiment important que les élus se déplacent sur le terrain et qu'on regagne cette proximité en fait, avec les citoyens et les citoyennes. Et que en fait, la politique se passe partout. On a eu les gilets jaunes, la politique se passait sur les ronds-points. Et moi, c'est une démocratie en fait, que j'ai envie de revoir. J'ai envie que la politique, ce soit partout, que ce soit dans les cafés, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les entreprises, etc., mais que ce soit réellement partout. Mathéo ? Moi, c'est aussi pour ça que je suis favorable, par exemple, au vote à 16 ans. C'est pour que les personnes soient au lycée pour leur premier vote et puissent débattre avec leurs amis de ça. Et moi, je me rappelle, lors de la dernière élection, je n'avais pas l'âge de voter, mais il y en avait d'autres qui avaient l'âge et qui ne voulaient pas aller voter. Et au final, tout le monde est allé voter parce qu'on en a discuté entre nous. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Mais avec, du coup, oui, un accompagnement... au niveau au niveau des cours, mieux que le MC, qui est en effet un cours d'histoire très souvent. Et du coup, ouais, d'avoir un cours vraiment sur les détails de la politique, les partis, etc. Monsieur, là-bas, qui lève la main juste, oui, ou si vous voulez, oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors moi, ma question, elle s'adresse à Étienne Matignon. Eh bien, il est juste, voilà, juste président en face de l'Association Générale Étudiante. Voilà, on a parlé de précarité étudiante, on avait du mal à se loger et puis à se nourrir. Pour 8%, c'est noté Olivier Galland, des étudiantes et des étudiants. Moi, j'ai encore une minute pour vous parler, en fait, peut-être qu'il faudrait imaginer, on sait qu'à partir de 25 ans, on est tous, pour certains, au RSA, pour d'autres qui démarrent dans la vie active et qui ont pu faire des stages et puis s'expérimenter au marché du travail, c'est plus facile avec leur formation de rentrer sur le marché du travail. Ce que je voudrais savoir, c'est, je sais moi qu'il y a 9 millions 900 000 jeunes, plusieurs, entre 19 et 24 ans, si on leur donnait une allocation, pas pour dépenser au PMU ou à la Française des Jeux, mais une allocation simplement pour avoir un socle. Et que ce socle, en fait, ça sera un capital qu'ils utiliseraient entre 19 et 24 ans. Moi, j'ai pensé à 600 euros, ça représenterait 2,4 milliards d'euros. Et si jamais ils étaient amenés par la vie des choses à avoir des carrières hachées, se retrouver soit au chômage ou au RSA, comme il faut
toutes ces années d'annuité pour pouvoir toucher sa retraite, eh ben, l'État se souviendrait qu'il l'a aidé entre 19 et 24 ans, et oui. Donc il y aurait un petit pourcentage qui serait enlevé par rapport à ces minima sociaux. On a entendu votre idée. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Matignon ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Nous, ce qu'on croit à la FACH, c'est que de toute façon, il faut réformer les minima sociaux en France pour les jeunes. Pour nous, il y a un sujet déjà, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il fallait considérer les jeunes comme des vrais citoyens. C'est qu'aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on va travailler, on va cotiser pour des aides sociales auxquelles on ne peut pas bénéficier. Simplement, il y a tout un tas de dispositifs qui sont imaginés. Donc, pour les étudiants, il y a les bourses, pour les NEET. Il y a le CEJ, donc le contrat d'emploi jeune. Et tout ça, c'est des dispositions qui sont imparfaits. Sur l'idée d'une somme socle, nous, globalement, on est plutôt favorable à l'idée d'avoir des aides qui puissent être universelles. Le sujet, c'est plutôt comment... vous avez dit le PMU, bon, c'est très caricatural. Oui. Je ne suis pas certain que si demain, les jeunes avaient vraiment... à nouveau, je dis les jeunes, même s'il y en a plein, mais plein de types différents. Mais je ne suis pas certain qu'une grande partie des jeunes iraient au PMU dépenser cet argent. Simplement dire que, globalement... aujourd'hui, et ça fait écho avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour nous, il faut réorganiser ou en tout cas repenser la solidarité nationale envers les jeunes. Et donc, ce que vous proposez, bon, du coup, en 1 minute 30, c'est pas possible d'expliquer tous les tenants aboutissants d'un dispositif, etc. Donc, je peux pas vous dire oui, je suis pour, non, je suis contre. Simplement, dans l'idée, pour nous, il y a quelque chose à retravailler en profondeur. Et la question universelle, je crois que c'est ça dont vous parliez. Pour nous, elle est pertinente. Et la question, surtout, de solidarité nationale et d'accompagnement des jeunes, soit à leurs projets professionnels, d'études, etc., pour nous, elle doit être absolument au cœur, en tout cas, de ce que l'État fait pour les jeunes. Olivier Galland, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, alors c'est une question très importante que vous soulevez. C'est complexe. On a un système, effectivement, qui est un peu incohérent aujourd'hui, parce qu'on a des aides au logement qui sont une sorte, en fait, d'aide universelle, puisque c'est sans condition de ressources des parents. Hein. Et puis, d'un autre côté, on a les bourses sur critères sociaux. Mmh. Voilà, donc, peut-être qu'effectivement, il faudrait chercher à rationaliser ce système d'aide et à l'unifier. Mais vous savez, ça, à ce moment-là, se pose la question de la fameuse demi-part fiscale, etc. Oui. Et donc, ça risque aussi d'impacter et de créer des mécontentements. Donc, c'est un sujet politiquement très délicat. Et effectivement, il y a des systèmes d'aide universelle aux étudiants qui existent dans des pays du nord de l'Europe, par exemple, hein, voilà, où on considère que dès 18 ans, un jeune doit être autonome et doit être aidé par la puissance publique. Mais évidemment, c'est quelque chose qui coûte très cher. Voilà, et étant donné le niveau de la dette publique aujourd'hui en France, je ne sais pas si c'est vraiment... possible et d'actualité, voilà. Parce que... Je vois des jeunes filles tout au fond là-bas qui lèvent la main. Est-ce qu'on peut rapprocher un micro peut-être de l'une d'entre elles ? Ah pardon, et bien sûr, Étienne. Je voulais rebondir sur quelque chose, c'est que quand on parle d'universalité de l'aide, souvent ça peut faire très peur. Alors pour les jeunes au global, je n'ai pas les chiffres, je sais que par exemple pour les étudiants, si on additionne en fait l'aide sociale à travers la bourse et la demi-part fiscale, globalement l'ensemble des foyers en France sont aidés de la même manière par l'État. Et donc en fait, pour nous le sujet c'est plutôt comment est-ce qu'on donne les moyens à l'étudiant de dépenser cet argent, parce qu'on sait très bien que derrière, une famille qui va avoir la demi-part fiscale, c'est pas forcément ce montant-là qu'elle va reverser directement à l'étudiant, alors que techniquement, c'est un peu là pour ça. Donc voilà, donc en fait, pour nous, il y a une réorganisation des dispositifs à faire, et la demi-part fiscale, effectivement, ça se pose tout à fait. Manon Mella, d'une phrase, du coup ? D'une phrase, évidemment, sur la question de la précarité et de l'aide économique qu'on va donner aux jeunes pour qu'ils puissent tout simplement s'épanouir. Moi, ce qui est souvent revenu dans la bouche des jeunes que j'ai interrogés, c'est la question des critères d'attribution de la bourse. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 38% d'étudiants boursiers. Moi, j'ai rencontré des étudiants précaires qui n'étaient pas boursiers. Oui. Parce que simplement, leurs parents ne leur donnaient pas l'argent qu'ils possédaient. J'ajoute un point, c'est que... la situation des étudiants, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier non plus que les étudiants ne représentent pas toute la jeunesse.
Ah oui, bien sûr. On l'a dit plusieurs fois. Hein, on l'a voilà. dit, Donc on focalise on en France, on focalise sur les étudiants et on parle des étudiants. Je crois comme que si, ça a été rappelé voilà. à de nombreuses reprises ce soir. Et les soir. Jeunes les plus en difficulté, ce n'est pas les étudiants. Ce n'est pas les étudiants, loin de là. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça. Évidemment. Et ça, c'est des jeunes qu'on n'entend pas, qui ne se mobilisent pas, qui sont très peu politisés, qui sont représentés par personne, des jeunes non diplômés, des jeunes des cités, etc. Et eux, ils sont plus en difficulté en moyenne que les étudiants. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Bien sûr. On vous écoute. Donc, bonjour. Je voulais savoir comment est-ce que nous, on fera plus tard, parce que vu que la retraite, du coup, elle a été décalée, comment est-ce que nous, on fera pour rentrer dans les travails, sachant qu'il n'y a plus de place. Donc, ce n'est pas trop possible. On dit que les jeunes restent chez eux, jouent au jeu, mais en fait, on cherche du travail, mais juste, on ne trouve pas, vu qu'on n'est pas pris. Comment fait-on ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu, vous on va te donner la parole, Olivier Galland. Alors oui, j'en entends parler par beaucoup de mes amis donc, qui cherchent du travail, mais sauf qu'en fait, ils ne trouvent pas. Parce ouais. que du coup, il n'y a plus de place. On va vous répondre. On oui. va vous répondre justement. Non. Je demande à Olivier Galland, je ne sais pas si vous voyez, oui. vous pouvez baisser votre main, parce que je pense que du coup, merci beaucoup. Voilà, voilà ça vous permettra de voir qui vous répond. Bien sûr, les jeunes ont des difficultés à entrer sur le marché du travail. Ce qui s'est passé en France, si vous voulez, c'est que les jeunes ont été en fait l'élément de flexibilité du marché du travail. Toute la flexibilité du marché du travail a reposé sur eux. Donc aujourd'hui, tout jeune commence sa vie professionnelle par un CDD. Et un CDD, ça veut dire qu'il s'arrête. Donc après le CDD, on est au chômage. Bon. Voilà. Donc ça alimente le chômage des jeunes. Ceci dit, il faut reconnaître, et donnons ce gage quand même au gouvernement actuel, que le taux de chômage des jeunes a baissé pour la première fois depuis longtemps et qu'il atteint un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 20 ans. Donc les choses s'améliorent. Je crois que la garantie jeune qui avait été instaurée par François Hollande et qui a été suivie et réaménagé sous forme de contrat d'engagement jeune est quelque chose qui marche aussi. Pas mal, qui marche pas mal. Donc voilà, la situation n'est pas désespérée, mais c'est vrai que les jeunes sans diplôme, et c'est là qu'il faut faire porter les formes, et d'ailleurs le contrat d'engagement jeune, il est dirigé vers ces jeunes sans diplôme ou peu diplômés, ce sont eux effectivement qui connaissent les conditions d'insertion les plus difficiles. Mathéo. Juste, j'ai entendu Madame la députée, je crois. Je vous ai entendu dire que les entreprises ne trouvaient pas et qu'il y avait du travail. Alors, juste, il y a du travail, mais par exemple, les AESH, il en manque. Regardez les conditions de travail. Les ouvriers et les ouvrières, c'est la même chose. Il y a une demande. On demande à ce que les salaires augmentent parce que les prix augmentent. Et ça ne suit pas. Mais du coup, je trouve ça quand même... elles travaillent à temps partiel, mais souvent, c'est des femmes qui s'occupent de leurs enfants également, qui ont des difficultés. Et les professeurs en demandent. Je vous ai parlé de ma sœur. Ma sœur, elle est prof de maternelle. Elle a besoin d'une AESH. Elle n'en a pas. Et du coup, ça impacte également ses conditions de travail. Et ensuite, je reçois un message. Il y a le président de l'UNEF à Assas, qui est Rémi Gouvert. Ce serait intéressant qu'il réagisse, parce que je crois qu'il y avait des erreurs dans le discours de M. Galland, qu'il aimerait alors, parler. Ok. Je trouvais ça intéressant. Manon Mella. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, l'emploi est une préoccupation très importante chez les jeunes. C'est vraiment une inquiétude. Je pense que peut-être l'une des pistes, ça pourrait être, mais c'est encore, moi je ne suis pas une femme politique, mais l'une des pistes, c'est peut-être de favoriser encore plus les parcours, les contrats d'alternance, les contrats de professionnalisation. Ça, c'est vraiment un moyen. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait pour devenir journaliste, et bien c'est sûr. Vraiment ce qui m'a aidée. Parce que quand on sort, quand on termine nos études, en fait, on a déjà une expérience. On a un pied dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est important. Et aussi, peut-être, je sais que dans certaines entreprises, on va plutôt embaucher des jeunes sortis d'école qui ont fait un certain type d'école. C'est le cas à Radio France. Pour tout vous dire, à Radio France, il y a une liste d'écoles de journalisme reconnues. Il y en a 12, et je me dis pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas des jeunes qui viennent d'autres parcours, qui viennent de la fac ou qui autre, ont peut-être choisi d'autres voies. Voilà, exploser tout ça et tous les parcours égalité des chances, etc. Il faut vraiment ouvrir au niveau du recrutement, il faut regarder l'expérience. Alors, pardon, une personne en vert
Alors, la personne qui est envers... Alors, on va rapprocher le micro. Et après, je prendrai encore deux ou trois questions, pas plus. Hein. Merci. Merci pour me donner la parole. Merci, Madame la Présidente de l'Assemblée, d'organiser ce temps. Vous ne vous facilitez pas la tâche, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'opinions différentes, et je trouve que c'est très bien qu'il y ait toutes ces opinions. Je voulais juste préciser, Monsieur Galland, vous avez dit qu'il y a 8% d'étudiants pauvres. Moi, je tiens à rappeler que le taux de pauvreté, c'est 60% du revenu médian en France. Le revenu médian en France, c'est 1 700 euros. Ça veut dire qu'il y a 50% de la population active qui a moins de 1 700 euros et 50% qui a plus. Je peux vous garantir, 60% de 1 700, ça fait 1 100 euros. Je peux vous garantir que ce n'est pas 8% d'étudiants qui ont moins de 1 100 euros. C'est 20%. Il n'y a pas 8% d'étudiants qui ont moins de 1 100 euros. Alors, on vous a entendu. Et d'un mot très simple ensuite. Oui, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Rendez les doléances. Vous parliez de la Convention citoyenne pour le climat qui était une très bonne initiative, comme par ailleurs le grand débat après les Gilets jaunes que le président de la République avait mis en œuvre. Sur la jeunesse, le problème, c'est que les doléances qui ont été écrites par les citoyennes et les citoyens sont aujourd'hui dans les archives départementales et on a beaucoup de mal à les avoir publiées. Et donc, je me permets de vous interpeller, Madame la Présidente, peut-être vous pourrez faire en sorte que l'on ait plus facilement accès à ces doléances-là où les gens ont déjà donné leur avis partout en France. Et moi, je viens du Cantal. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour ces doléances. Je vous remercie. Alors, je ne suis pas sûre que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale puisse ouvrir tous les cahiers de doléances. Beaucoup de pouvoir, mais pas celui-là. On vous écoute, Olivier Galland. Il faut que je vous réponde sur le taux de pauvreté. Il y a une confusion. Vous parlez du taux de pauvreté relatif, oui. C'est-à-dire les personnes qui sont en dessous de 60% du revenu médian. Ce n'est pas vraiment un indicateur de taux de pauvreté, c'est un indicateur d'inégalité, en fait. C'est le bas de la distribution des revenus. Évidemment, les étudiants sont dans le bas de la distribution des revenus. C'est évident. Il ne peut pas en être autrement, puisque ce ne sont pas des actifs et que beaucoup ne travaillent pas, que beaucoup vivent chez leurs parents. Donc, évidemment, appliquer le taux de pauvreté aux étudiants, le taux de pauvreté relatif aux étudiants, n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de calculer, c'est un peu expérimental, mais un taux de pauvreté absolu. C'est-à-dire, c'est ce qui est fait dans les pays anglo-saxons. On essaye de voir quel est le revenu minimum en dessous duquel on ne peut pas mener une vie décente. C'est-à-dire ne pas se nourrir, ne pas se loger, ne pas avoir accès à un certain nombre de loisirs, etc. Ça peut avoir un sens. Et effectivement, il y a 8% des étudiants, d'après mes calculs, qui peuvent être contestables, mais qui sont dans ce cas, ce qui est beaucoup, et ce qui est beaucoup trop. Mais appliquer le taux de pauvreté relatif aux étudiants, je sais qu'on fait ça constamment et que l'UNEF le fait constamment, mais ça n'a absolument aucun sens. On va avancer, Mathéo, parce qu'il y a énormément de questions. Donc l'idée, c'est aussi de donner la parole à tout le monde. Non, vraiment, parce que pour le coup, c'est un sujet qui a été beaucoup débattu ce soir. Oui, vous avec la veste, on vous écoute. Bonsoir. Merci Madame la Présidente pour cette assemblée. J'aimerais vous parler de la vie de quelques lycéens à l'heure actuelle qui travaillent énormément. Il faut savoir que moi, je viens d'avoir mes 18 ans, je passe l'année du bac, j'ai Parcoursup, je suis en terminale, donc j'ai le bac à réviser et j'enchaîne deux travails afin de pouvoir manger, aider ma famille qui est dans une précarité. Et à l'heure actuelle, la bourse n'est pas assez élevée, n'est pas assez à la hauteur de nos attentes, à la hauteur de nos aides et on a besoin d'aide. On a besoin d'être écouté, on a besoin d'avoir un débat, on a besoin d'aide parce qu'actuellement, c'est très très dur de pouvoir bien manger, de pouvoir au moins manger à notre faim. Voilà. Et de toute manière, on le voit beaucoup actuellement, c'est que la plupart de mes collègues, de mes amis, ils ont tous 17-18 ans et ils tous travaillent. Alors, tout à l'heure, il y a une fille qui disait on a du mal à trouver des emplois. Mais en fait, la plupart du temps, les emplois qu'on trouve à notre jeune âge, parce qu'on n'a pas de diplôme, on n'a pas vraiment forcément une très grosse expérience, et bien forcément, c'est des métiers pénibles. Moi, mes métiers sont pas... je suis pas avocat, j'ai pas un statut très très élevé. Mais je suis obligé de travailler afin d'aider ma famille, afin de m'aider moi-même, parce que c'est très très dur. Et notamment, vous avez parlé de Parcoursup, j'ai été sapeur-pompier volontaire, je suis aussi actuellement policier réserviste. J'ai eu l'occasion de passer sur ces deux terrains-là. Ça compte pour Parcoursup, je ne pense pas que ça aide énormément, mais en tout cas, ça compte. Juste à l'heure actuelle. On a besoin d'être écouté, on a besoin d'être entendu, on a besoin aussi qu'on s'inquiète pour notre survie parce que la plupart du temps, je rentre chez moi, je finis le travail à 1h, je rentre, j'ai cours à 7h30. Forcément, c'est très très dur et forcément pour plein plein de jeunes, c'est compliqué. Et merci beaucoup de partager déjà cette parole-là parce que c'est ce qu'on, c'est
C'est ce qu'offre en fait cette assemblée. On va peut-être, il n'y avait pas vraiment de questions. On peut prendre peut-être, oui, madame. Merci, bonsoir à tous. Alors, j'ai 1 minute 30, je vais me permettre de lister quelques sujets. Alors, pour ma part, je ne suis pas étudiante, je suis jeune actif. Et en fait, on se pose la question entre jeune actif et une certaine minorité qui n'est malheureusement pas présente sur les réseaux, qui n'a potentiellement pas les mêmes intérêts, et en fait, qui aujourd'hui se pose la question de comment ils peuvent faire carrière en France. Et aujourd'hui, la question qui, et les solutions qui sont présentées, c'est partez à l'étranger, et je refuse absolument de partir à l'étranger. Donc ma question, c'est comment on peut faire pour valoriser les carrières pour rester en France. Premier sujet. Le deuxième, c'est sur le congé parentalité. Je me pose la question parce qu'en tant que jeune femme, en fait, dans la carrière, il y a forcément la question de la maternité qui va se poser, et par conséquent, le congé paternel, pour le coup. Et en fait, il y a eu des avancées, bien évidemment, mais comment on peut faire pour renforcer cela? Parce que c'était démontré par des études et plusieurs études sur le fait que ça peut poser un problème dans la carrière des femmes. Et le dernier sujet, je m'adresse à vous, interlocuteur, c'est sur les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, quelle responsabilité vous pouvez porter sur quand même les médias, on sait qui sont d'un certain côté, d'un certain penchant, mais aujourd'hui, les jeunes, qui sont de plus en plus jeunes sur les réseaux sociaux, n'ont peut-être pas cette image-là des réseaux sociaux et pensent qu'en fait, les vidéos qui sont partagées sont objectives, sont vraies, sans forcément chercher à approfondir davantage les connaissances. Ok, merci. On va prendre les sujets dans l'ordre. Sur les réseaux sociaux, peut-être, oui. Oui, concernant les réseaux sociaux, moi, en tout cas, à titre personnel, c'est très indiqué de quel bord politique je suis. Et je l'assume totalement, et même je trouve ça intéressant d'avoir du coup des personnes de gauche, mais il y a aussi des personnes de droite. Il y a quelques personnes qui sont du côté de Macron. Il y a des personnes même d'extrême droite, d'extrême gauche. Il y a de tout, et je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de débats même qui sont organisés par des très jeunes parfois, et il y a du monde parfois qui suit. Donc c'est super. Et d'un mot, juste dire qu'un métier pénible ne justifie pas un métier pénible et sans. Sans diplôme ne justifie pas un mauvais salaire. Au contraire, par exemple, les éboueurs, tous les métiers pénibles, même s'il n'y a pas de diplôme, ils méritent des salaires qui sont dignes et des salaires élevés. Et ils sont parfois plus utiles que certaines personnes qui sont payées des milliers de cents pour faire pas grand-chose. Sur le départ à l'étranger, peut-être, Olivier Galland, vous avez rencontré parmi les 8000 jeunes? Oui, alors on a posé la question. Écoutez, vous savez qu'il y a quand même dans notre échantillon 21% des jeunes qui disent qu'ils veulent aller vivre à l'étranger. Ah oui. Donc, vous voulez rester en France, mais il y a quand même pas mal de jeunes qui veulent vivre à l'étranger, vous voyez. Et je pense qu'on est quand même aujourd'hui dans une société assez cosmopolite, assez ouverte. Vous voyez, d'ailleurs, ça nous a frappé aussi. Les jeunes, beaucoup plus que les autres générations, sont pour une société ouverte. Ils ne veulent pas de frontières, ils ne veulent pas de barrières. Voilà, et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Ils sont plutôt quand même assez favorables à l'Europe aussi. Voilà, donc on est une société où on est mobile, où on bouge, mais c'est tout à fait respectable aussi, évidemment, de vouloir rester dans son pays. Hein, mais voilà, mais il y a une partie des jeunes qui veulent au contraire bouger et connaître d'autres expériences, d'autres cultures, d'autres formes de vie sociale et politique. On va venir vous voir, ouais, juste ici. Et ce sera, je pense... Ah pardon, excuse-moi, Étienne. Juste par rapport à ça, parce qu'on ne vous a pas répondu sur les congés paternité. En tout cas, nous, à la FAGE, ce qu'on croit, c'est qu'évidemment, sur ces sujets-là, il faut un traitement d'égalité. C'est-à-dire que derrière, c'est par ce traitement d'égalité-là qu'à l'embauche, bah, en fait, du coup, il n'y aura pas de différence, parce qu'on comprenne un homme ou une femme. Potentiellement, si jamais il y a un enfant, le sujet sera adressé de la même manière. Et ensuite, sur la question des carrières en fait et du monde professionnel, nous l'analyse qu'on en a, ce serait de dire que tout à l'heure ça a été dit, on perd en solidarité, enfin, en tout cas il y a un individualisme qui grandit. La France c'est quand même basé sur un système très solidaire, on paye énormément, ceux qui ont les moyens évidemment d'impôts, on cotise quand on travaille, etc. Ça, du coup, c'est des choses qui perdent aussi de leur sens. Et en fait, malheureusement, ça a aussi parfois été tiré à l'extrême. Et je pense, par exemple, aux professionnels de santé, aux professionnels de l'éducation, où en fait, on attendait une certaine forme de dévotion de leur part. Et du coup, le système, je ne dis pas que c'est des personnes en particulier, ont profité de ça pendant des années. Et du coup, on s'est retrouvé avec un certain nombre de professions qui pourtant sont essentielles, sont centrales dans la société. Et aujourd'hui, n'ont quasiment plus aucune valeur si on prend juste le salaire, qui pourtant, derrière, font tourner nos hôpitaux, font tourner nos écoles.
écoles font tourner toutes les administrations publiques. Et donc, pour nous, il y a un réel sujet de comment est-ce qu'on remet au centre, en fait, les vrais acteurs et actrices du quotidien des Français et des Françaises, et même au-delà des Français et des Françaises, des personnes qui sont en France et qui sont là pour y vivre et qui veulent y vivre comme vous. On prend votre question, monsieur. Bonjour. Déjà, je tiens à saluer la présence de Mathéo, ça crée la diversité au sein de cette assemblée. Ensuite, pour répondre à Manon concernant donc, pourquoi les jeunes n'ont plus confiance en les médias, peut-être parce que justement, il n'y a pas assez de journalistes comme par exemple Élise Lucet, des journalistes non muselés, non censurés, qui disent vraiment ce qu'ils pensent. Il en faudrait plus. Ensuite, sur le sujet des retraites, le problème, c'est qu'à chaque quinquennat, Madame la Présidente, les parlementaires nous disent c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants, et à chaque quinquennat, on repousse l'âge de la retraite. Donc en fait, les jeunes, ils se posent la question, est-ce qu'on aura une retraite un jour, étant donné que à chaque quinquennat, c'est reporté. Donc peut-être qu'il faudrait répondre à la jeunesse, est-ce qu'on aura une retraite un jour ? Ou alors, là par exemple, si Macron nous aurait dit « Oh, on fait ça, mais c'est la dernière fois qu'on le fait » ou qu'il y aurait un projet de loi pour que ce soit la dernière fois qu'on le ferait, peut-être que ça aurait été accepté par le peuple. Mais le problème, c'est qu'à chaque coup, c'est reporté. Donc là est la crainte. Ensuite, concernant l'emploi des jeunes, il y a un problème de surpopulation. Il n'y a plus de travail pour tout le monde. Donc peut-être faut-il prendre en considération le revenu universel. C'est un vrai sujet de débat. Ensuite, concernant l'écologie et la condition animale, il faudrait peut-être évoluer sur ces sujets et effectivement prendre en compte les demandes lors des manifestations des jeunes. Prenons par exemple pour l'écologie le pesticide, quand est-ce qu'on l'interdit enfin ? Prenons par exemple pour la condition animale la corrida, quand est-ce qu'on l'interdit enfin ? Vous avez voilà. Épuisé votre temps, mais en tout cas, on a entendu votre message. Voilà, c'est vous représentez une certaine parole. Et voilà, une petite demande faite. Oui, mademoiselle, on va vous écouter. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous l'avez dit dès le début, la jeunesse, elle est plurielle. Et j'aimerais parler d'une jeunesse qu'on oublie un peu trop, à part pour taper dessus, la jeunesse issue de l'immigration. On parle de sujets qui font peur, enfin l'écologie, etc. Mais il y a un autre sujet qui nous fait peur, à nous, les jeunes issus de l'immigration, la montée du populisme. On voit que l'extrême droite augmente de jour en jour. Et ce qu'on veut, Madame la Présidente, c'est déjà une réaction politique, parce qu'on laisse parler dans les médias des discours de haine. Voilà, pour ne pas les citer, Éric Zemmour et autres personnes... Et nous, les jeunes issus d'immigration, ça fait qu'on s'autocensure, qu'on n'ose même plus prendre la parole. Et je pense qu'on a vraiment besoin de travailler dessus et que c'est vraiment une urgence. Parce que l'histoire nous l'a montré et il faudrait le faire avant qu'il soit trop tard. Oui, Olivier Galland. Oui, un petit mot là-dessus. C'est évidemment un sujet très important et qui n'a pas été assez traité, je crois, en France, effectivement. Il y a de la discrimination à l'embauche pour les jeunes issus de l'immigration. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Et il y a le problème toujours patent des cités. On a eu la révolte de 2005. Alors, on l'a un peu oublié, mais ça peut ressurgir. Et je crois que le problème n'a pas été réglé. Et d'ailleurs, très peu de politiques en parlent et s'en saisissent. Donc, je crois qu'effectivement, c'est un problème patent et grave et qui existe dans la société française et qui n'est pas assez pris en compte par les partis politiques en général. Manon ? Tout à fait d'accord avec toi. Cette préoccupation-là a été quand même objectivement, presque complètement... cette question-là a été pratiquement absente de la campagne présidentielle, en tout cas en termes de solutions. Les médias ont une certaine responsabilité. Alors attention, c'est comme d'habitude, les généralités, c'est pas bon de quelque côté que ça soit. Hein. Tous les médias ne sont pas, n'invitent pas les mêmes gens sur leur plateau, n'ont pas la même façon, enfin les mêmes émissions ni rien.
Mais moi aussi, par exemple, je suis issue de l'immigration. Et donc, comment on fait dans les médias, qui on recrute? Ça aussi, ça fait partie des enjeux. Je sais qu'il y a des associations qui existent. Il faut prendre la parole, en fait. Il faut entrer dans le système et s'exprimer. Comme vous venez de le faire, vraiment. Et peut-être ajouter quelque chose, oui? Et je suis désolé, j'ai peut-être encore faire la caution de gauche, mais je trouve ça, au niveau de la banalisation de l'extrême droite, je trouve ça par exemple très grave qu'il y ait des vice-présidents à l'Assemblée nationale qui aient été élus par des députés macronistes. Et ça, ça fait partie de la banalisation, et Darmanin particulièrement. Après, je pense que, par exemple, Madame la présidente de l'Assemblée nationale fait partie plutôt de l'aile gauche qu'on appelle de la Macronie, donc pas du côté de Darmanin, mais il vise de plus en plus l'extrême gauche, il parle d'extrême gauche en boucle, et fait monter avec ça l'extrême droite. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron avait dit que le vote l'obligeait, parce qu'on a fait barrage à l'extrême droite. Il n'a rien changé. Et aujourd'hui, je connais des personnes qui étaient, par exemple mon père qui est issu de l'immigration, il a toujours dit, il a limite à deux doigts de forcer mes sœurs de voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle pour faire barrage à l'extrême droite. Aujourd'hui, même lui a dit qu'il ne votera plus jamais pour Emmanuel Macron et qu'il ne fera plus jamais barrage à l'extrême droite avec des personnes comme là. On vous a entendu. Maintenant, Lorraine, peut-être pour répondre plus précisément. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais en fait, effectivement... Enfin, je pense que plus largement, il y a un réel problème d'inclusion en fait dans la société. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait à chaque période de crise, moi j'aime beaucoup l'histoire parce que je suis journaliste. Je travaille notamment pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et on voit en fait qu'il y a des boucs émissaires qui sont trouvés constamment. Et en fait, enfin, je pense que déjà on devrait passer par l'éducation parce que je pense qu'en apprenant de notre histoire, peut-être qu'on fera pas les mêmes erreurs, mais je pense que je suis peut-être un peu bisounours pour penser ça, mais j'espère que le futur me donnera raison. Et effectivement, il faut qu'on adresse beaucoup plus ces questions-là, même aujourd'hui encore, même hier d'ailleurs, on pointait encore les jeunes de banlieue, etc., qui seraient des casseurs et je ne sais quoi. Effectivement, s'il n'y a pas un contre-discours sur ces choses-là, il n'y a pas des faits qui sont ramenés sur ces questions-là et des analyses sérieuses entre guillemets objectifs, même si pour moi les objectivités n'existent pas, en fait on sera toujours au même stade où les mêmes personnes seront pointées du doigt et les mêmes discriminations seront perpétuées. Et effectivement, c'est en fait à nous aussi en tant que citoyens de se saisir de la question politique et de mettre la pression sur les politiques pour faire en sorte que le racisme recule, mais également aux politiques aujourd'hui en place de se saisir de la question et de lutter concrètement contre le racisme et contre toutes les discriminations qu'il y a aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin, Manon. Oui, c'est pour ça. Oui. Non mais si. Non mais ce que j'allais dire, c'est quand tu disais aller dans les quartiers populaires, donner la parole, en fait, faut que les journalistes y aillent. Bien sûr. Il faut arrêter de faire des reportages en bas de la rédaction sur le trottoir. Il faut y aller. Pour ça, il faut aussi donner des moyens aux services publics. Je sais qu'à Radio France, en fait, il y a toutes les France Bleu qui sont menacées, les bureaux à Marseille qui ferment, les postes de RER. Donc, c'était vraiment les reporters qui étaient dans des quartiers spécifiques. Ouais. Tout ça, ça ferme. Et donc, encore une fois, je te rejoins, Lorraine, là-dessus. Il faut décentraliser aussi l'information et les journalistes, quoi. Tout ne se passe pas à Paris. On vous y accompagne quand vous voulez. De toute façon, on reçoit souvent les journalistes sur nos actions, donc n'hésitez pas. Et dans les invités aussi. C'est ça. Dans les invités. L'invitation est lancée. En tout cas, merci. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir participé à cette assemblée des idées. Merci à vous tous. Désolé, on n'a évidemment pas pu prendre toutes les questions. On a essayé de balayer le plus large possible. Merci infiniment à vous tous. Merci beaucoup.